Il est l'heure, il est l'heure. So for my English speakers, la conférence, the conference will be mainly in French today. So if you have someone that speaks French, make sure they tell you all about the good stuff. Bienvenue tout le monde. Merci de participer à cette dernière conférence, donc Full Circle, l'entrepreneuriat et le street dance. On a la chance d'accueillir avec nous Alexandra Spicy-Landé et Bruce Kajison qui ont pris du temps de leur horaire déjà assez chargé pour discuter avec nous aujourd'hui. On va rentrer directement dans le vif du sujet, mais juste avant, une petite introduction. Donc, pour les Montréalais qui sont avec nous présents, donc Alexandra Spicy-Landé, pilier, vétéran, dans la scène du sud-est depuis avant que j'y sois. Donc, il y a plein de choses que je ne peux pas dire, qui pourra en dire plus si le désir est là, mais qui a vraiment permis, notamment grâce à Bust a Move, à créer une extrêmement bonne visibilité pour le sud-est montréalais. Entre autres, elle a aujourd'hui sa compagnie Ebbe & Flow avec laquelle elle fait de la création. Elle travaille aussi sur d'autres projets, donc Fresh to Dance, qui est un événement street dance qui se passe au festival, au quartier des spectacles au centre-ville de Montréal. Elle a toujours été présente dans la scène et supporte la jeunesse et supporte la nouvelle génération. On la voit toujours un peu dans le coin des événements. Elle est là, vous ne la voyez pas, mais elle est là, elle regarde ce qui se passe, elle reste à l'affût. Il reste en vogue, il reste d'actualité. Donc, Spicy, Boussy Kenji, que j'ai rencontré à maintes reprises, notamment à travers Juste Debout, pardon, Juste Debout, événement iconique de la scène street dance à l'international. Pour, je pense, 99% des danseurs, si je ne dis pas 100%, pour être humble, ont tous voulu un jour gagner un Juste Debout. Se sont tous dit, se sont toutes dit, un jour je serai sur cette scène. Certains ont réussi, d'autres non, mais vraiment, Juste Debout a permis à la danse de vraiment se démocratiser vraiment de manière internationale. Donc, Bruce est à l'auteur de ça, mais il est aussi chorégraphe, aussi danseur. On l'a vu faire du feu avec les glides, notamment à travers le monde. Ceux qui ne l'ont pas vu, regardez IBE, si je ne me trompe pas, 2009. 2009, oui. Super battle. Aussi, Bruce contre Salah, ça c'est un de mes préférés. Un battle préféré à vie. Donc, deux personnes qui, par leur travail, leur effort constant, ont vraiment permis à la danse, au street dance de s'élever, d'aller plus haut, de toucher beaucoup plus de personnes, de marquer les gens. Puis aujourd'hui, ils prennent leur temps pour nous parler un peu de l'entrepreneuriat et le street dance, donc les connexions qu'il y a entre ces deux formes d'art-là. On aura 1 heure de discussion, puis on va passer à 30 minutes de questions. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dès maintenant, mais on va y répondre dans 1 heure. Donc si. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Bruce, pas ici. Honneur aux dames. Là. Non, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est déjà, je suis super heureux d'être avec vous. Merci de l'invitation et t'as tout dit. Donc voilà, merci, merci à toi, Ford. Et merci de m'inviter. Forward Movement, Oi, toute équipe. Je suis très content d'être avec ma sister Spicy qui a beaucoup fait pour la danse au Canada et j'ai kiffé son événement quand je suis venu. C'est voilà, un des événements qui m'a fait encore plus aimer le Canada et la scène de Montréal. Voilà. Mais juste, je sais qu'on commence déjà, mais Bruce, c'est déjà beaucoup d'amour, beaucoup de respect pour toi, c'était mon frère. Mais une des choses que Paul a dit qui était vraie, on regardait Juste Debout religieusement, genre en ligne. On regardait style de ouf, c'était fou, genre. Moi, tous les jours, j'étais comme, il va y avoir une nouvelle vidéo, une interview ou quelque chose. C'était des grosses inspirations. Juste Debout, ça a été là une des plus grosses inspirations pour Bust a Move. Donc, pour moi, c'est ça.
Vraiment, merci déjà. Je suis contente d'être avec toi ce soir. En plus, content moi aussi. mon premier Juste Debout, c'était au Stade de France. Oh. Première année, je pense qu'il avait fait France, j'étais là, j'étais encore tout jeune. C'était n'importe quoi. Puis après, mon premier ballon, c'était Bust a Move. Donc, genre, je suis content d'être ici avec vous deux parce que c'était une belle conversation. Je sens que j'ai beaucoup à apprendre, mais j'ai aussi beaucoup à partager. Donc, voilà. Voilà. Donc, allons dans le vif du sujet. Ma première question, je pense que c'est vraiment important parce que ça suit une conversation que j'avais avec Spicy il y a quelques jours. Selon vous, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre un artiste entrepreneur et un entrepreneur de l'art? Bonne question. Oui, on avait une conversation parce que c'est le mot entrepreneur, c'est toujours, ça me fait toujours un peu sauter. Ça m'a toujours fait sauter, mais je comprends aujourd'hui avec le recul puis le temps, je comprends la perspective extérieure de qu'est-ce que, pourquoi qu'on dit entrepreneur, entrepreneur. Je pense que artiste entrepreneur, c'est un artiste qui veut vivre de sa danse, qui veut vivre de la forme du street dance, que ce soit du ballet, d'enseignement, créer des trucs, mais qui a le désir de gérer sa carrière. Puis je pense qu'un entrepreneuriat dans l'art, je pense que ça peut être les deux. Quelqu'un qui peut être un artiste entrepreneur peut aussi être un entrepreneur de l'art, mais en direct, pour moi, un entrepreneur de l'art, je vois ça aussi comme quelqu'un qui est un enthousiaste, puis qui participe à l'éclosion de la danse, comme par la production, par la distribution, par la représentation de l'art. Fait que c'est un peu comme ça que je vois les deux, si je peux le décrire comme ça. Fait que les deux peuvent être séparés, les deux peuvent coexister aussi dans une personne. Fait que c'est ça. C'est ça que je dirais. Ouais, bah c'est vrai, ouais, c'est une belle. Alors, c'est une super question. J'étais là au début, waouh, ça commence fort. Grave. Mais en fait, moi, je me considère comme un artiste, entrepreneur, businessman. Donc, je pense que la différence entre les deux, c'est que l'artiste entrepreneur pensera avec le cœur quand l'entrepreneur qui fait de l'art pensera avec le cerveau. Je ne dis pas qu'on est bête, je dis pas qu'on est bête, mais je dis juste que moi, tous les choix que j'ai faits dans mon existence, même dans tout ce que je fais, et j'ai refusé des contrats vraiment, vraiment, vraiment balèzes parce que je ne le sentais pas. Et quand je ne le sens pas, j'y vais pas. Et donc, l'instinct, je place l'instinct avant, l'instinct et le cœur avant le cérébral. Et après, je n'en veux pas à ceux qui font le contraire, qui mettent comment dire, le cérébral pour faire du business avec la danse, parce que pour moi, on en a besoin de ça. Et d'ailleurs, on avait eu à Bust a Move une grosse discussion, il y avait eu un panel de discussion, et je m'étais fait crier dessus par des danseurs. Bon, je ne dirais pas les noms, mais ouais, tu fais du business. Mais pour moi, c'est important. Le business, ce n'est pas négatif pour nous, tant qu'il est fait par nous, quoi. Tant qu'il est fait par nous, il est. Voilà. Quand je vois Spicy qui fait le truc, quand je vous vois faire le truc, je suis content, je dis, allez, vas-y, on supporte, tu vois. Mais après, voilà. Faut faire attention. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'est-ce que tu viens de dire, Bruce, c'est tellement vrai, c'est comme c'est le cœur qui parle avant. Puis le cœur, malheureusement, en tout cas pour moi, jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours comme, oh my God, why did I put myself in this situation right now? Ben moi, c'est pareil. Je suis comme, oh my God, j'ai pas calculé toutes les affaires, j'ai pas calculé rien parce que j'ai juste suivi mon cœur, puis j'étais comme, let's go, on fait ça, puis après, je suis comme, quand je suis, tu sais, la réalité me rattrape, là, je suis comme, oh my God. Là, on y Mais tu va, là, vois, il y a plein de choses, dire oui, tu sais, c'est ça. ouais. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est quand tu laisses parler le cœur d'abord, tu te mets en danger, tu vas dans des trucs, justement. Ouais, mais pourquoi je me suis mis là-dedans? Là, moi, je me suis mis dans un syndicat de la danse pour défendre le danseur. Mais je me dis, mais waouh, je suis fou. Avec déjà tout ce que je fais, je me remets dans un syndicat du danseur. Mais tu vois, mais c'est juste qu'à un moment, il faut laisser parler le cœur parce que sinon on meurt. Enfin, un artiste, ça doit laisser parler son cœur. Et nous, on est des artistes. Même si on fait demain 1 € ou 1 $ ou 1 000 $ ou plus, on pensera toujours comme des artistes. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je me suis embrouillé avec beaucoup de monde dans les institutions parce que dans le développement et comment ils placent les choses, c'est pas la bonne place, quoi. Tu vois, on n'est pas sur la même longueur d'onde, quoi.
Voilà. Vraiment. Je pense que c'est bien parce que là, avec ma prochaine question, je pense que ça touche à ce truc de faire les trucs, faire le truc avec le cœur. Petite mise en contexte, moi, je suis l'auteur d'une compétition qui s'appelle Kier Saint-Niche. Donc, c'était un peu le rentre-dedans du pumping pendant un moment. Puis, ce qui m'a motivé vraiment à faire ce battle-là, c'était il y a eu une période où il n'y avait pas de battle pendant 3 mois. Puis juste avant, il y avait un battle qui s'appelle Soul Banging qui est organisé par Venom et Afternoon. Puis je me suis dit, moi j'étais vraiment, je venais de commencer la danse, je connaissais pas trop de trucs. J'ai vu un événement, j'ai vu Bam, j'ai vu Soul Banging, je me suis dit, ah ouais, bon, j'ai envie de faire un événement, j'en fais un. Donc ma question, elle est, qu'est-ce qui est à l'essence de votre désir d'avoir créé pour Spicy Bust a Move, pour Bruce Juste Debout? Donc qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ou le catalyseur de cette création-là? Moi, c'est sûr, comme je disais, tu sais, Juste Debout, ça a été vraiment une grosse inspiration. Mais je te dirais que l'événement, c'est Jack Fresno. Je le dis tout le temps, mais c'est vraiment cet événement-là à Montréal qui m'a complètement déboussolée. On est arrivé, c'était un événement qui avait juste du hip-hop et du locking. Puis c'était, avant ça, il y avait plusieurs événements de break. Three Times Dope, là, avec Jonas, Johnny, Martin, tu sais, il faisait des gros battles de break, là. C'était comme extraordinaire, là. C'était des gros battles vraiment hype. Puis on allait souvent dans ces battles-là, les lockers, les poppers. C'est là qu'on se retrouvait parce qu'il n'y avait pas de justement, c'est pour ça que Juste Debout, c'est venu vraiment nous chercher parce que dans ces battles, il y avait juste des battles de break, puis de b-boy, puis de b-girl. Puis on se retrouvait, puis on attendait les musiques qui nous parlaient, tu sais, pour le lock, le pop. Pour le hip-hop, fait qu'on était comme oh my god, ok, ça c'est la toune, on peut danser. Puis on faisait des cyphers comme ça, puis il n'y avait pas d'événement pour nous. Puis quand j'étais à Jack Fresno, c'était la première fois que je voyais vraiment, si je peux utiliser le terme, des danseurs debout. C'était la première fois qu'on était réunis dans une place, puis qu'il y avait une énergie qui était incroyable. J'étais comme oh my god, c'est comme. On dirait que c'est là qu'on voyait tout le monde sortait de leur placard, là. Tu sais, tous les gens qui étaient dans leur salon en train de danser, là, ils étaient venus à cet événement-là, puis c'était extraordinaire. Puis moi, ça m'a comme, j'étais comme, je veux rassembler la communauté, je veux créer quelque chose qui va nous amener ensemble, qui va amener tous les styles, mais juste les styles debout aussi. Je ne pensais pas au break non plus dans ce temps-là, parce qu'il y avait tellement d'événements de break. Ce n'est pas comme ça aujourd'hui, mais dans le temps, il y en avait beaucoup. Fait que j'étais comme, mais il faut qu'on fasse un événement pour nous. Fait que c'est comme ça que j'ai pensé à BAM. Puis l'idée, c'était vraiment de rassembler la communauté, puis t'sais, de donner. Au début, il n'y avait même pas de gagnant. C'était vraiment un battle, t'arrivais, puis t'sais, on mettait, c'était deux personnes contre l'autre. Il n'y avait pas de gagnant, il n'y avait pas de juge, il n'y avait rien. Mais juste cette première soirée-là, je m'en souviens encore, c'était un jeudi, il y avait peut-être 325 personnes. C'était au Colanoté. Puis c'était la soirée qu'on était tous comme, wow, même moi, j'étais surprise de ça. C'est tout le monde en était comme oh my god, what just happened? Puis là de là c'est parti là, c'est là que j'ai décidé de continuer, mais aussi éventuellement que pour la communauté de Montréal, après ça le Canada, puis éventuellement l'international. Fait que c'était l'idée, c'était vraiment de faire que Montréal devienne plaque tournante du street dance. C'était ça dans ma tête. Mais première chose, c'était rassembler, et cette énergie là qu'on peut pas décrire, qui est juste comme overwhelming. Fait que c'est ça. Bah écoute, moi je vais pas rajouter grand-chose parce que c'est exactement la même chose. C'est que on allait dans des événements de break. Moi j'ai été éduqué dans la danse par des b-boys et il y avait 10 b-boys et 3 poppers à l'époque. Et si tu veux, j'ai toujours baigné dans le monde des b-boys. Et à un moment, je me suis dit, attends, il y a plein de battles de break, il y a plein de défis parce qu'à l'époque on appelait ça des défis aussi. Et y a pas de. À chaque fois qu'on passe, nous, c'est 1 heure. Après, ils nous disent, allez dégager. Et donc, du coup, j'ai dit, non, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis, c'est pareil. Nous, on a appelé ça rencontre internationale de danse hip-hop parce qu'on n'a jamais voulu appeler ça battle. On a toujours voulu appeler ça une rencontre. Donc, il y a cet esprit. C'est exactement la même histoire. Donc, je ne vais pas rajouter, mais c'est exactement la même histoire. On a toujours voulu rassembler. Et, bah, après, ça m'a dépassé. Les enjeux ont été trop gros. Pareil, parce que les gens, ils voyaient que ça grossissait. Donc, ils ont commencé à se fighter.
pour avoir la victoire. Mais à la base, c'était vraiment un esprit hyper peaceful et réel, quoi. Et à la fin, je ne dis pas que ce n'était pas réel, mais je dis juste qu'il y avait des enjeux incroyables. Du coup, ça a changé un peu la donne. Mais c'est la même histoire. Incroyable. Vraiment, c'est ça. Ok. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à justement le fait que ça grandisse, les enjeux. Pour passer, j'avais une question avant, mais je vais sauter à la prochaine directement. Donc, la question, c'était par vos choix et vos actions, vos organismes, votre entreprise, vos événements ont été amenés à grandir, à être perçus comme grandissant, florissant. Donc, d'abord, est-ce que vous l'avez perçu comme ça pendant que BAM prenait de plus en plus d'ampleur, pendant que Juste Debout prenait de plus en plus d'ampleur, Ebb & Flow, il y a aussi, parce qu'on parle de BAM, Juste Debout, mais vous avez, pour ce passé, il y a Ebb & Flow, pour Bruce, t'as la Juste Debout School, t'as tes autres projets sur le côté, donc est-ce que vous perceviez vos entreprises, organismes, vos intérêts, vos démarches du moment comme grandissants? Ben, moi, si je peux me permettre de répondre, en fait, en gros, les deux premières années, je n'ai pas vu arriver le truc parce qu'on a fait ça comme ça. C'était dans un petit gymnase et tu vois, ça a pris un peu comme avec Spicy, tu vois. Ça a pris et le bouche à oreille a fait que le monde est venu. Mais moi, j'ai toujours eu une âme d'entrepreneur, en fait. J'ai toujours eu une âme business. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais attends, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut aussi faire ça. On peut... Et donc, du coup, j'ai entrepris. J'ai fait des 15 heures par jour, des 6 jours par semaine, pour faire grossir le truc. Et au final, parce que je me suis dit qu'il y a une place à prendre et ce n'est pas ma place que je veux mettre en place. C'est la place de la danse hip-hop. C'est-à-dire qu'il y a une place à prendre. Et si nous, on ne le fait pas, c'est d'autres personnes qui contrôlent moins bien le truc, qui ont d'autres intérêts un peu plus malsains, qui vont le faire. Donc, je me suis dit, bon, et là, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire une école. Faut que avec des gens de l'underground, essayer de faire en sorte de faire rayonner ce qu'on est réellement, tu vois. Alors après, ça peut être critiquable, ça peut être critiqué, et même moi, hein, je suis pas d'accord avec tous mes choix. C'est-à-dire que j'ai fait des choix des fois que j'ai regretté, mais c'est le processus d'apprentissage, tu vois. C'est on apprend et voilà. Mais je pense que j'ai toujours eu une âme de businessman, toujours. Déjà petit, je faisais du business, donc c'est resté quoi. Hustling. Moi, c'est drôle, j'ai pas eu une âme de business. J'ai pas une âme de business en réalité, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup le résultat. Tu sais, je suis toujours dans, ok, je veux que les choses avancent. J'ai toujours une envie que ça avance. Après, je suis comme, hey, on avait juste 20 danseurs. Hey, j'aimerais ça qu'il y en a comme 40 la prochaine fois. Tu sais, oh, j'aimerais ça amener ce juge-là parce que dans ma tête, j'étais toujours comme, comment qu'on peut aider la communauté à se développer. Fait que c'était toujours dans revenir à dire, OK, qu'est-ce qui pourrait aider la communauté à grandir? Qu'est-ce qu'on a besoin présentement? C'est quelle scène qui a besoin de grandir? Puis c'est ça qui arrivait aussi à BAM, c'est que des fois, on changeait les catégories. Il y avait des catégories qui disparaissaient des fois ou qui s'ajoutaient souvent. Ça s'est ajouté au fil du temps. Mais c'est parce qu'on était comme, oh, cette scène-là, elle a besoin d'aide. Il n'y a pas beaucoup de je ne sais pas moi, locker. J'ai eu plein de conversations avec Mark Scramble Lock là-dessus, justement. Parce qu'il y a des années, là, il y avait comme 3 lockers qui attendaient pour faire le BAM. J'étais comme, oh my God. Cette autre catégorie-là, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais il m'a tellement... c'est tellement battu. Toute la communauté de locking de Montréal s'est tellement battue pour garder le locking. C'est des choses comme ça qui me drivaient, tu sais. C'était justement, la salle était remplie à 500. Quand tu as 550 qui rentrent, puis la capacité, c'est 500, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas... L'année prochaine, c'est du bouche à oreille, comme dit Bruce. Tu es comme, ben là, je n'ai pas le choix, là. Il faut que j'aille dans une plus grande salle. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Fait que c'est quelque chose qui comme tu dis, on ne voit pas, mais c'est dans... Il y a le hustle, tu as raison. Y a puis moi, littéralement, c'est vrai que j'avais un côté quand même hustle parce que pendant des années, j'ai vendu les billets. J'étais comme ça à la rue, là, comme... OK? Me on the corner. Coin Sainte-Catherine et bleu. Tu sais, comme vraiment pour... C'est comme vraiment du hustle, là. C'était comme le monde... On vendait des billets dans la rue quasiment, là, tu sais. Fait qu'il y avait vraiment cette idée de qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour aider, pour faire grandir la scène. Puis ça nous amène à faire des décisions qui, justement, fait grandir les choses. Puis moi, dans ma tête, j'ai jamais vu ça comme « Ah, OK, ça a grandi. » J'ai toujours vu ça comme positif pour de vrai.
à part le côté financier, là, j'ai toujours vu ça comme positif. J'ai toujours dit comme, oh, wow, cette année, il y avait comme 150 danseurs. L'année passée, il y en avait 100. J'ai toujours vu ça comme, wow, OK, on grandit, il y a plus de monde, on va chercher des jeunes. C'était plus ça dans ma tête quand je vois les choses grandir, tu sais. Alors, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que je me rappelle avec Kiasanij, la première fois que j'ai fait, j'étais vraiment dans ce truc de un peu la rencontre, rassembler les gens parce que moi, ça me manquait de ne pas être entouré de danseurs, de ne pas voir ça. Puis après d'avoir vu l'intérêt pour les poppers, c'est que du popping, c'est que du pop. Donc l'intérêt des poppers, de se rassembler, puis les folies que j'avais vues, j'ai mon Dieu, comment je peux recréer ça tout le temps dans cet objectif de recréer ce genre de hype qu'il y avait eu à cet événement-là, puis de bouche à oreille, d'aller dans la rue, d'envoyer des... Je me rappelle, dans ce temps-là, c'était beaucoup plus facile avec Facebook, donc d'envoyer des messages à tous tes contacts. « Hey, tu veux venir à l'événement? Tu veux venir à l'événement? » Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir vos input là-dessus. Si je vais... Juste finir un petit point là-dessus aussi, c'est que finalement... C'est pas juste nous qui a fait que ça a grandi. C'est aussi, tu sais, quand nous, on a commencé, non seulement il y a beaucoup de monde, le monde voulait, et hey, amène tel juge l'année prochaine, tu sais. Les gens voulaient vraiment que ça grandisse aussi. Mais aussi, il y avait le truc que nous, on fait un événement, puis ça, justement, ça inspire d'autres à faire des événements plus spécifiques, comme juste popping. Puis quand c'est un livre, c'était comme, moi, j'appelle ça, on va rendre des comptes. C'est ça, le AKA, là. Ah oui. Fait qu'il y a, tu sais, chaque personne aussi développait sa petite son style, fait que ça faisait aussi que ça grandissait, tu sais. Ouais. Beaucoup, il y a beaucoup de facteurs qui fait que ça grandit, tu sais. C'est pas juste nous, notre désir, c'est comme. Bien sûr, bien sûr. Mm-hmm. Et je voulais ajouter un truc qui rejoint ce que tu dis, Spicey, c'est que en fait, moi j'ai jamais forcé. C'est-à-dire que tu vois, il y a des événements qui faisaient venir du monde, tatati, tatata. Moi, je n'ai jamais forcé personne. C'est-à-dire qu'on avait une salle de 400. Après, l'année d'après, c'était 1200. L'année d'après, 2500, 5000. C'était packed. 6000, 7000, 2000 personnes à la porte. Et donc, comme Spicey l'a dit, il y a 7000 dans la salle et il y a 2000 personnes à la porte. Donc, on fait quoi? Tu vois, c'est des choix. Des fois, tu dis, mais on peut aller encore plus loin. Et c'est vrai que ce n'est même pas l'appât du gain. Parce que l'appât du gain, quand tu sais que tu vas dans une plus grosse salle, tu sais que tu vas perdre de l'argent. Tu sais que la salle, elle va te tuer. Tu sais que la salle, elle va te tuer. Mais c'est se dire, purée, mais c'est beau. Il y a 9000 personnes, ça peut être 10000, ça peut être 15000. Et je rejoins Spicey là-dessus, c'est que sans forcer, ça s'est fait naturellement, avec beaucoup de travail, mais ça s'est fait naturellement. Quoi. Mm-hmm. À la beauté du truc aussi. Puis, je pense que c'est intéressant parce que ça va, je pense que ça va aussi répondre aussi à la prochaine question ou alimenter la prochaine question, mais. Dans cette optique-là, on grandit parce qu'il y a une demande, mais il y a quand même aussi le facteur où des gens qui voient ça de l'extérieur par une certaine ignorance de tout ce que vous vivez à l'intérieur de ce processus qui est d'organiser un événement de cette ampleur-là. Des fois, ils vont être amenés à croire que plus on grandit, plus on perd le côté street, le côté real, le côté authentique de ce qui nous... qui fait de nous un peu des street dancers ou des danseurs de vous, des hip-hop artists, hip-hoppers. Donc, je pense que ma question serait comment vous vous positionnez par rapport à ça, par rapport au fait que vous ayez grandi et que d'un côté, il y a eu des fois cette double réaction de la scène de danse. Ah, c'est une bonne question, ça. Je dirais que je sais pas, pour moi dans ma tête je suis comme, les juges sont freaking bad, le monde est là, le monde voyage de partout dans le monde, je ne percevais pas comme ça, tu comprends? Je comprends par exemple que pour moi un battle, il y en a qui vont appeler ça une compétition parce qu'ils trouvent que le battle ça se fait, puis c'est vrai, un battle ça se fait, ça peut être sur un coin de rue, ça peut être dans un club. Tu comprends ce que je veux dire? Le terme du battle, c'est vraiment une rencontre, ça peut être n'importe où. Mais je pense que l'idée d'ouvrir, c'est peut-être ouvrir les portes à un public général. C'est peut-être ça qui fait cette perception-là. Parce qu'en réalité, dans ma tête, les juges, c'est tous des juges comme souvent G qui viennent. Les danseurs sont G. Le monde est hype. Les DJ sont hype. Le host est hype. Moi, j'avais Dr. Step. Qui a fait un job incroyable pendant des années.
sais, dans ma tête, je voyais pas ça comme ça parce que nous, honnêtement, on était toujours entre nous. L'énergie entre nous, en tout cas, moi, c'est ça que je ressentais. Tu sais, on commençait là, puis là, en arrière de la table des juges, là, tout le monde était, au début, on était comme, ah, va là-bas, non, vous n'avez pas le droit d'être ici, non. À la fin, tout le monde était tout avec les juges en avant parce que c'était une énergie entre nous. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait à l'extérieur. Je n'étais pas dans la bulle. Moi, j'étais comme sur scène avec le monde. Puis mais je comprends, tu sais, peut-être de l'extérieur. Je ne sais pas. C'est ça que je pourrais dire là-dessus. Moi, là-dessus, j'ai toujours dit... non, pas toujours, pardon. Je n'ai pas toujours dit ça. C'est avec l'expérience, avec le temps, tu dis, mais en fait, plus tu grandis, en fait, c'est mathématique. Plus tu as d'amis, plus tu as d'ennemis. Voilà, donc à partir de ce moment où tu mets ça dans la tête, tu dis, c'est pas grave. Les gens, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont critiquer. S'il y en a beaucoup qui critiquent, ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus qui aiment en fait. Donc enfin, c'est peut-être pas logique pour tout, mais en tout cas par rapport au Juste Debout, si tu arrives à remplir une salle de 16 000 personnes, forcément tu vas perdre l'essence. Forcément tu vas perdre l'essence, il ne faut pas se mentir. Tu vas perdre l'essence de la soirée, tu vas perdre l'essence. Mais le Juste Debout, il ne faut pas oublier. Moi, j'ai fait ça. C'était juste l'axe central. Mais moi, ce qui m'importait, c'était quoi? C'était les soirées, c'était les workshops, c'était les gens qui parlent entre eux, c'était les échanges de numéros, etc. etc. Donc, le battle lui-même, tu me regardes, tu me demandes même qui a gagné en telle année, je ne pourrais même pas te dire. Tu vois? Alors que je suis sur scène, je suis comme ça, je suis fatigué, mais je ne peux même pas te dire parce que pour moi, ce n'est pas ça qui est important. On s'en fout, en fait. C'est juste le purpose to meet each other. Tu vois, c'est vraiment le truc de se mettre ensemble et de communier ensemble pendant une semaine. On va aller en soirée, on va se raconter des blagues, on va manger ensemble. L'autre, il va dormir chez un tel. L'autre, et c'est ça qui m'intéresse. Dans Juste Debout, c'est ça qui m'a toujours intéressé. Après, par rapport à la réaction des gens, ouais, c'est plus underground, tout ça. Franchement, je m'en tape. Je m'en tape parce que si tu veux un événement underground, il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y a des petits événements qui sont super. Va là-bas. Qu'est-ce que tu nous prends la tête? Tu sais ce que je veux dire? Il y a des gens qui aiment trop se prendre la tête, en fait. Tu vois? Et moi, et jusqu'à 2009, 2010, ça m'a vraiment beaucoup affecté. Vraiment, tu vois, j'étais là parce que faut être fort. Quand tu es organisateur, vous le savez, vous organisez. Quand tu es organisateur, faut être fort. Tu vois, parce que toi, tu fais ça parce que tu fais ça parce que t'aimes ça, tu fais ça avec le cœur. T'es endetté là-bas. Oh, tu donnes l'argent à l'autre, faut que tu le payes, tu prends de ta poche. Ça, c'est ce que les gens ne voient pas, la réalité, en fait. Les gens, en fait, ils ne voient pas cette réalité. Ils voient juste le truc qui brille. Ils ne voient pas tous les struggles que tu as. Et du coup, après, au bout d'un moment, j'ai dit, mais vas-y, fuck, parce qu'ils vont me détruire. S'ils arrivent à trop rentrer là, tu es mort. Et tout ce que tu as fait, c'est mort aussi. Donc, il faut être fort, quoi. Voilà. Et je pense qu'ici, tout le monde est fort. Je vois des noms aussi sur les spectateurs, des gens qui organisent, des gens qui sont forts. Vous êtes forts. Voilà. Non, mais tu as tellement dit, bon, c'était comme, tu as touché le point, genre, le numéro un, ressources financières. Nous, dans mon temps à moi, quand je faisais Boss the Move, là, il n'y avait pas, les conseils des arts n'étaient pas sur ton bord. Qu'est-ce que tu dis, Baro? Ils n'étaient pas sur ton bord, genre. Ils n'étaient pas sur ton bord. Moi, j'avais zéro subvention. Aucun don, aucune bourse. Les premières fois, tout sortait de mes... C'était comme ça. Il y a eu tellement d'années de struggle. Il n'y avait pas de pay, zéro pay. Like, c'est même... Moi, je trouve ça même fou. Je trouve ça fou d'avoir même attempt that. Because I was like... I must have been in somewhere else. Parce que j'étais comme, ça se peut pas. C'est comme... That's what I'm saying. Mm-hmm. C'est pour ça que je te dis, on est des artistes entrepreneurs. Ouais. Et on n'est pas des entrepreneurs de l'art. Tu vois? Parce que quelqu'un qui entreprend, qui fait... Excuse-moi, je t'ai coupé, mais... Quelqu'un qui entreprend pour l'art, il dit, bon, le billet du Juste Debout, c'est 30 euros, mais pour rentabiliser, il faudrait mettre à 45, 50 euros. Et nous, on n'a pas fait ça. Nous, on a dit, non, il faut que les petits, là, ils puissent arriver à rentrer dans l'événement. Tu vois? Et c'est ça la différence qui change tout. Ça. Puis tu vois, comme pour moi, même rendu, quand c'était rendu à la TOU, 30$, je trouvais ça cher. Moi, 30, 25, je trouvais ça cher parce que j'étais comme,
je savais que ça s'additionnait pas, genre. C'était perte totale. Mais j'essayais de penser à du monde qui struggle. On était dans Saint-Michel, à la Tohu. Les jeunes de Saint-Michel pouvaient pas se payer un billet de 30$. Fait que pour moi, ça devenait un problème. Pour de vrai, j'étais comme, ça fait pas de sens que je suis dans le quartier Saint-Michel, un quartier qui est comme, pas défavorisé, mais comme il y a quand même, c'est pas facile à Saint-Michel. Il y a des, tu sais. Puis là, qu'un jeune peut pas payer son billet parce que ça coûte 30-35$. Puis les parents ont pas l'argent pour leur donner. Moi, ça venait me chercher, cette histoire d'argent-là. Je peux donner une anecdote, tu sais. Ça, c'est les secrets underground. J'ai promis que j'allais te parler des secrets. Je me souviens d'une soirée, c'était un des meilleurs bams, là, en voulant dire l'énergie était high. Le monde était comme parti, gone. Les battles, c'était comme, tout le monde était comme. Le crowd était high. Je regardais tout le monde. Le lendemain, on avait des workshops. Il me manquait 5 000$. Dans 24 heures, il fallait que j'ai 5 000$. Tout le monde est rentré. Il est minuit. Comme. Tout le monde est dans la salle. Il n'y a plus personne dehors, là. Il n'y a plus d'entrée. Puis l'argent, ce n'était pas mon argent. C'est un diffuseur. C'est le diffuseur qui garde l'argent des billets. Fait qu'il y a toute cette... Il y a beaucoup de choses que le monde ne sait pas. Puis moi, je suis comme là, comme, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, après, c'est toute une histoire de hustle. Comme tu dis, prêter, donner... Tu sais, le lendemain, les workshops, comme, on essaie, on compte un, deux. Tu sais, c'est malade. C'est malade. Ouais, c'est fou. C'est malade, genre. Non, les gens, enfin, sans critiquer ni rien, je comprends parce que c'est pas leur problème en même temps. Nous, on a pris des responsabilités. Les gens, ils ont pas apporté nos responsabilités, tu vois. Mais ce que tu vis là, moi, je l'ai vécu, bon, à des échelles différentes, mais c'est exactement ça, quoi. T'es là, et puis tu essaies de garder ton côté humain, mais en même temps, tu dis, ouais, mais attends, là, je dois 20 000 ici, je dois, là, boum, bam, bam. Mais c'est fou! Les gens, ils ne se rendent même pas compte du stress. Ils ne comprennent pas. Des fois, ils me voient vénère. Ils ne comprennent pas. Tu vois ? Ils ne comprennent pas. Et je comprends qu'ils ne comprennent pas parce que ce n'est pas leur problème. Mais faut se mettre dans le truc que, tu vois, les gens ont toujours pensé, ouais, mais Juste Debout, c'est subventionné, nanana. Juste Debout, les subventions de la mairie de Paris, c'était 3%. Ils donnaient 3% du budget global. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais il y a la mairie de Paris, il y a ça, il y a ça. Non, mais nous, on était des débrouillards. C'est-à-dire qu'on grattait ce qu'ils ne nous donnaient pas en argent. On allait gratter des salles, tu vois, c'est pour ça qu'on avait la belle salle, tout ça. Mais en vérité, en termes de financiers, ils ne donnaient rien. Parce que c'est du hip-hop et parce que pour eux, sans faire le pleurnichard, là, c'est pas une culture qui méritait d'être aidée parce que selon eux, on s'en sort toujours par nous-mêmes. Et c'est vrai. Ouais. Finalement, c'est vrai. Mais ils ne donnaient pas. Donc le ministère de la Culture ne nous a jamais rien donné. Il y a la mairie de Paris qui nous donnait un petit peu. Et merci d'ailleurs. On crache pas dans la soupe, hein. J'étais content de travailler avec eux, mais quand tu regardes ce qu'ils donnaient par rapport à ce que ça valait, bah derrière fallait aller vendre du t-shirt, ouais. fallait aller faire d'autres trucs, tu vois, des soirées, des workshops. Tellement sauvé, au moins là, je sais pas combien d'années que j'étais comme une chance que j'ai fait des t-shirts. J'haïssais ça, faire ça pour mourir, non. Mais j'étais contente parce que au moins j'étais comme oh my god les t-shirts. C'est quelque chose. Au niveau, ça là, c'est le point mortel, genre. Mortel. Parlant des t-shirts, moi, je me suis pris trop tard parce que là, j'aurais dû faire ça dès le début parce que ça aurait aidé. Mais comme tu disais, c'est pas ici vraiment des trucs où tu organises l'événement, il est fou, mais dans le backstage, les gens, ils savent pas. Puis là, on a Afternoon qui est avec nous, qui est aussi un des... Oh, Afternoon connaît les arts. Bon, j'ai même pas besoin de dire. Il était avec moi aussi dans l'organisation, donc c'est vraiment des gens qui se sont battus pour garder ce truc vivant. Puis, retrouve où... Moi, c'était mes économies. Donc, mon cadeau de l'année, c'était Kiasanich parce que je passais toutes mes économies là-dedans. Je travaillais au Footlocker dans le temps, là. Je faisais ma petite job, j'étais étudiant. Je dis, vas-y, on met des 3 000-4 000$, puis t'espères que tu vas reprendre un peu de ça. Mais, donc, je comprends tout à fait. Puis, je trouve ça bien que ce soit dit comme ça parce qu'il faut que les gens réalisent qu'on entreprend parce qu'on aime ça, mais aussi, il y a un prix qui vient avec ça. Puis des fois, c'est pas tout le monde qui peut justement faire face au prix d'être un artiste. C'est un coût des fois financier, mais même émotionnel, parce que tu dis, tu mets tout ça, tout ce temps-là, cette énergie, et
des fois, tu n'as pas nécessairement le résultat financier. Tu as peut-être une journée où c'est hype, c'est cool et tout, mais tout ce qui vient après, le stress et tout, personne connaît, à part les gens qui sont près de nous. Donc, c'est vraiment important que ce soit dit. J'ai juste un autre truc, excuse-moi, juste un autre truc à dire. Tu as dit une chose importante, l'aspect personnel, l'aspect financier et les sacrifices, c'est l'aspect personnel, les sacrifices familiaux. Quand tu organises un truc comme ça, ta famille, ça devient un peu ton punching ball, quoi. Tu es là, bah, 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 tu rentres chez toi, tu es comme ça. Enfin, tu vois, et les familles derrière, heureusement qu'elles nous soutiennent, parce que sinon, ou les proches, heureusement qu'ils nous soutiennent. Sinon, ça serait infernal. Voilà. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est vraiment ça, Bruce. J'ai mes amis proches, proches, je les ai pas vus pendant 5 ans, je pense. Comme je pouvais pas aller nulle part, rien, j'avais jamais le temps. Parce que c'est ça, c'est comme quand tu commences ça prend tellement de justement ton âme, ton énergie, puis justement, on veut faire plaisir. C'est ça l'autre problème que je me suis rendu compte aussi, c'est que je voulais faire plaisir. Puis à la fin, je me suis dit, je peux pas faire plaisir à tout le monde, c'est pas possible. C'est impossible, c'est une tâche impossible, genre. Impossible de faire plaisir à tout le monde, c'est pas possible. C'est pour ça que quand j'étais dans la merde financière, puis là, quelqu'un, je suis allé, je suis comme, dude, oh non, like, not today, dude. Ouais. Non, va dire ça à ton ami, va chialer dans la toilette, mais moi, non. C'est ça, tu sais. Puis en plus, comme tu dis, Bruce, il faut que tu gardes quand même comme. C'est ça fait partie de l'événement que la personne qui organise doit rester hype et comment, chaleureux et Agréable, ouais. agréable parce que tu veux que les gens se sentent bien, tu sais. Moi j'ai eu beaucoup de en fait moi je suis un tu vois tu me connais je suis un nerveux un peu. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à ça, j'ai eu beaucoup de mal. Donc, je faisais parler les autres, je dis voilà, j'envoyais les autres parce que c'était trop de pression. Et du coup, ce que tu dis, c'est ça, quoi. C'est ouais, faut. Voilà, t'as tout dit, pas besoin d'en rajouter. On se comprend. I feel you. Ça m'amène à. J'hésite entre deux questions, mais les deux questions nourrissent un peu ça. Mais je pense que je vais aller avec. Là, c'est une fois, tu sais, que c'est mis sur la table, donc juste debout, bam est là, le spectacle est là. Il y a une partie, c'est un signe, je pense. Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est comme l'œuvre qu'on crée, que ce soit l'événement, le ballon, la rencontre, la pièce, nous appartient plus totalement parce qu'on le présente à un public, donc les gens s'approprient un peu. Puis, plus ça évolue dans le cadre des ballots, parce qu'on le fait de manière régulière, donc annuelle, à chaque année, il y a un ballot. Est-ce que vous vous sentez parfois piégé dans l'image que les gens créent du ballot ou les envies qu'ils ont pour l'évolution du ballot de cette. Mais je vais te dire, moi je vais te dire une chose, hein, c'est que j'ai failli arrêter plusieurs fois le juste debout. Parce que à un moment je me suis dit, ouais, bon, j'arrête, ça y est, c'est bon. It's over. 2009, it's over. No, they fight together. I want to stop. It's over. C'est dans Tu ma salle. vois? Tu vois? Et après, je vais à l'aéroport. J'accompagne des juges à l'aéroport. Je rencontre un groupe de Japonais. Et j'avais déjà pris le mic. J'avais dit, ouais, c'est fini. Juste debout, c'est fini. Je rencontre des Japonais à l'aéroport. Ils me disent, non, tu peux pas faire ça. Les Japonais pleurent. Les Japonais pleurent. Ils disent, tu peux pas faire ça. Et tu dis, ouais, mais en fait, tu peux vraiment pas faire ça, en fait. C'est-à-dire que tu es piégé à ton propre piège. Et c'est très masochiste comme démarche parce que C'est tout ce qu'on fou. dit là, tout ce qu'on dit, on a souffert, on a fait ci, on a fait ça, mais c'est comme si tu étais prêt à souffrir genre 10 mois de l'année pour 3 minutes de frisson peut-être. C'est n'importe quoi en fait. C'est comme les artistes en fait, tu vois, on peut travailler des années sa danse pour 1 minute de frisson, tu vois. Et c'est maso en fait, on est fou. En Vas-y. fait, les organisateurs d'événements hip-hop, on est fou. On est On est vraiment. fou. On est fou. C'est comme tu as dit, c'est ça. Moi, je pense que je me suis fait. Oui, c'est vrai, parce que moi aussi, j'ai eu un countdown. Là. Pendant, je ne sais pas, 3, 4 années, j'ai dit, bon, c'est fini. Bon, l'année prochaine, tu sais quoi? Bon. Pense pas que je peux prendre ça. Au début, c'était plus comme une plainte, tu sais. Oh non, je ne pense pas que je peux faire l'année prochaine, c'est beaucoup. Mais avec le temps, ça devenait comme, oh my God, c'est vraiment lourd. Surtout au niveau, pour moi, personnellement, financier, parce que. J'arrivais, tu sais, bam, finissait en mai. En juin, j'étais déjà en train de travailler dessus pour rien, genre.
C'est des heures et des semaines de travail. C'est comme des mois et des mois et des mois de travail. En tout cas, pour moi. Mais je dirais que où est-ce que ça m'a... Où est-ce que j'ai eu plus la pression des gens, c'est quand que j'ai arrêté BAM. Parce que moi, je suis genre comme ça. Je suis capable d'en prendre si que je suis patiente. Mais quand j'ai fini Dune, oh wow! C'est comme... That's it, yo! C'est comme... J'étais arrivée à mon point où est-ce final, genre. Puis j'ai compris que j'aurais pu faire des choses pour éviter ça. Là, je comprends avec la maturité, avec l'expérience, je comprends comme quand je suis frustrée puis quand les choses vont pas comme que je veux, il faut que je me re-questionne. Qu'est-ce que je fais? Comment je me mets en danger? Comment que je fais pour empirer ma situation puis la situation des gens autour de moi? Puis c'est là que je commence à raisonner. Mais dans ce temps-là, je disais les choses... à chaque année, j'étais comme, OK, non, je pense pas. Il y a deux, trois dernières années, j'étais comme... Puis quand c'était fini, j'étais comme, that's it, I'm done. Non, mais tu sais, c'est marrant ce que tu dis parce que moi, à chaque Juste Debout, Pendant l'événement, je ne kiffe pas. Je rentre chez moi, je suis comme dégoûté, quoi. Tu sais, je suis là, j'ai tout donné, tu vois. J'ai pas dormi, j'ai tout donné. Et l'événement même, tout le monde est debout, fait ça. Mais je kiffe pas réellement. C'est-à-dire que je ne me lâche pas. Mais par contre, quelques semaines après, je me repose. Quelques semaines après, je regarde les images, je fais « Ah ouais ». Et les gens m'appellent, tu vois. Je fais « Ah ouais, quand même ». Et là, je réalise, tu vois. Mais sur le moment, j'ai détesté tous les Juste Debout. C'est ça qui est fou. Mais c'est l'œuvre, tu vois, c'est l'artiste qui fait son truc et puis il regarde, il n'est pas content, il va se coucher, il revient, il dit « Ah ouais, quand même, c'est pas mal, tu vois. » C'est très spécial. C'est vraiment spécial qu'est-ce que tu dis. Moi aussi, j'ai eu des BAM que je n'ai pas aimé, mais j'ai beaucoup apprécié, à part tous les autres stress. Moi, c'est drôle, ça m'énergisait beaucoup, l'événement. Puis c'était après mon down. C'est quand j'avais fini, j'étais comme « Oh my God, oh hell no. » Oh, I can't. Ouais, c'est comme... Pendant, je suis comme ça, là. Mais après, je suis comme... Ouais. Parlant de pendant, parce que l'avant événement, c'est toujours très, très entrepreneurial, très administratif, logistique, contact avec les gens, puis donc recherche de fonds, la communication, et est-ce que tu vas venir avec les mains, le stress et tout. Puis souvent dans notre pratique artistique, ça peut venir prendre le dessus sur l'art en lui-même. Donc, ma question, c'est comment vous mariez, tu sais, ça revient à la première question, tu sais, t'as l'artiste entrepreneur, l'entrepreneur de l'art, comment vous mariez ces deux aspects qui peuvent être parfois incompatibles, donc le côté très logistique, administratif, et le côté genre je crée un rassemblement, un moment, une œuvre qui va faire émerger des frissons, genre c'est 3 minutes de frissons, c'est 1 heure de frissons. Donc. Tu veux y aller, Bruce? Ouais, comme tu veux, moi je peux prendre. Alors, je vais vous surprendre, mais je ne marie pas. Je compartimente mon cerveau. Ici il y a le business, ici il y a la danse, ou ici il y a la danse, ici il y a le business. Ici, il y a la famille, ici, il y a l'école, ici, il y a l'agence 2. Mais je ne marie pas, je ne marie jamais. Parce que quand tu maries, c'est trop dur émotionnellement. Mm-hmm. C'est trop dur. Enfin, selon moi, après, moi, c'est mon fonctionnement. Mais tu sais que les gens m'ont dit, mais comment tu fais? J'arrive pas à comprendre. Si je n'avais pas compartimenté, j'avais déjà les concerts, j'étais déjà mort. Parce que des fois, je rentre à mon cours de danse. Le mec, il me dit, ouais, l'école, là, elle est à moins 200 000 euros. Je donne moins 200 000 euros à l'école et je vais donner mon cours de danse. Je donne mon cours de danse si je pense à ça, mais mon cours de danse, il est mort. Ouais, vraiment. Si mes élèves, là, ils ressentent ça, c'est foutu. Et ça m'a aidé à aller plus loin parce que tu rentres dans la salle de danse, t'as un problème, tu ressors, t'es joyeux. Et ça t'aide à résoudre un problème. Et à ne pas. En fait, si tu veux, ton compartiment, il a plein de cases. Et si tu commences à mélanger les cases, finalement, ça pourrit le reste, quoi. Donc, il faut vraiment cadenasser, compartimenter. Un problème est un problème, on va le régler. C'est un problème, on l'isole. Sinon, tu es mort. Moi, c'est un conseil que je pourrais donner aux organisateurs, de ne pas se laisser submerger par les émotions et surtout de compartimenter. La famille, l'amour, la danse,
le business, les étudiants, tac, 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 tac. Sinon, c'est compliqué. Très compliqué. Je suis tellement d'accord avec toi, mais je suis encore dans ce learning process-là. Je trouve ça encore dur de... Mais j'ai beaucoup appris à faire ça. Mais j'ai beaucoup... Une chose qui a vraiment changé tout, puis j'encourage tous les gens à qui je parle, les gens que je mentors, aller chercher de l'aide. Ça, c'est ça qui m'a sauvée pour de vrai. Il y a des choses, quand je n'étais pas capable, quand je regarde le budget, puis mes yeux sont comme... Je suis comme, toi, regarde le budget. Là, je suis capable de regarder un budget, mais avant... C'était pas dans mes capacités, tu comprends? Fait que l'administration, il fallait que j'aille chercher de l'aide. Il fallait qu'il y ait du monde qui vienne m'aider à comprendre, tu sais, comme au niveau administratif, au niveau communication. C'est ça qui m'a vraiment sauvée pour de vrai. C'est d'aller chercher de l'aide, puis d'aller chercher éventuellement d'avoir des gens, ces ressources-là. Puis de pas être gênée, parce qu'il y a une affaire d'ego aussi. Parce que dans ta tête, tu dis, ah, c'est moi qui dois le faire. Ça doit être fait comme moi, parce que sinon, ils vont pas comprendre. Puis là, il y avait beaucoup de ça aussi dans BAM, que j'ai l'impression que c'était juste moi qui pouvais bien comprendre le truc parce que ça se passe dans ma tête. Mais en réalité, j'ai appris à m'ouvrir, puis j'ai appris à aller chercher de l'aide. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Puis il ne faut pas voir ça comme, ah, oh, OK, si je vais chercher de l'aide, mais là, ça veut dire que, on dirait que je ne connais pas mon... Tu sais, je ne suis pas aussi... Tu sais, en tout cas, tu prends ça, I'm hard on myself. C'est ça que je pourrais dire. Je suis dure sur moi-même. Donc, quand... J'ai une faiblesse, je me sens, ah, OK, mais t'es pas bonne là-dedans. Tu sais, mais c'est ça, c'est de bien s'entourer, puis d'aller chercher de l'aide. Puis de, comme tu dis, de compartir. Tu sais, savoir que moi, il y a peut-être 7-8 ans, j'ai dit, mes amis et ma famille, c'est ma priorité. Et c'est tout. Ça veut dire, mon père m'appelle en pratique, je suis comme ça. Tu sais, j'ai juste fait le choix. J'ai dit, tu sais quoi, ma famille, mes amis, c'est ça qui est plus important, parce que sans ça, tu meurs, quoi. Fait que j'ai vraiment... C'est ça, avec l'expérience, j'ai appris à faire ça, à compartimenter, comme tu dis. Mais au début, c'était pas facile. Puis ça l'est encore un challenge, mais je fais les efforts, ouais. Non, mais c'est dur pour tout le monde, hein. Je dis pas, encore une fois, moi, tous les conseils que je vais donner aujourd'hui, j'essaie de me les appliquer à moi en premier. Ça veut dire que je suis pas là à dire, ouais, moi, non. Je dis juste, voilà. C'est un des conseils, une des clés du succès, c'est d'arriver à compartimenter, quoi. Voilà. Ouais. Et tu as raison, la famille, c'est le pilier. De toute façon, on le sait tous, mais c'est vraiment très important de se le rappeler régulièrement. Mm-hmm. Puis de aussi les impliquer. Parce que souvent, la famille ne va pas comprendre ton mode de vie, que non. Tu rates des soirées importantes, que ouais. Tu es sur ton téléphone, que t'es, quand tu leur parles, tu écoutes, mais tu n'écoutes pas à moitié, tu sais, pour ouais, les gens. Ouais, ouais, ouais. Puis, c'est d'essayer de les amener aussi à venir voir. De toute façon. Ouais. Mais de toute façon, moi, quand tu vas, bon, tu es déjà venu au Juste Debout, À la caisse des soirées, c'est ma mère, ouais. C'est ma femme. À la caisse de l'école, c'est ma femme. Au crêpe, c'est ma fille. Il faut. Si tu n'as pas ta famille dans la base, mais tu es foutu. Parce que les gens vont dire fais ça. Ta famille, elle dira là, tu déconnes. Les gens ne te diront pas tu déconnes, tu vois. La famille, elle va dire, ou les amis proches, ils vont dire, ouais, là, tu déconnes, tu fais ça, t'as mal parlé à l'autre, t'as déconné, rien. Si tu n'écoutes pas ta famille, t'es dead. Tu fais n'importe quoi, tu deviens un producteur, mais sans cœur. Donc, après, t'as le choix, hein. Tu sais, moi, tu as le choix de devenir ce que tu veux. Après, c'est juste des choix, quoi. C'est juste des choix, mais t'as tellement raison. Comme la famille, garder. Puis aussi, une chose qu'on n'a pas mentionnée, puis qui est tellement vraie, c'est qu'on parle toujours, tu sais, il y a toujours un visage. Puis c'est vrai qu'il y a un visage à un événement. Parce que la personne que tu vois, c'est vraiment celle qui fait la job. La grosse job, là, pendant l'année, c'est la personne. Mais c'est extrêmement communautaire. Il y a tellement d'angles. En tout cas, moi, la fin de semaine de BAM, peut-être toute l'année, je suis en train de me tirer les cheveux, mais la fin de semaine, l'aide que je reçois, c'est incroyable. Je ne suis même pas... Ça, c'est une chose que je ne pourrais jamais chialer pour ça. Ah non, mais toi, j'étais choqué quand je suis venu au BAM que vous avez fait la soirée chez Wakisha. Ouais. Je crois. Mais j'étais choqué. J'étais, mais c'est mortel, c'est génial. C'était génial. J'ai vu le vrai. Mais à Montréal, c'est différent de Paris. Hein. Aussi, il faut dire ce qu'il y a. Donc, il y avait un côté super familial. On était ensemble, tout ça. Moi, j'étais sur notre planète. J'étais là-bas. Je ne dis pas que Paris, pendant Juste Debout, ce n'est pas comme ça. Mais c'est, c'est vachement plus gros. Donc, du coup. Il n'y avait pas ce côté familial que vous aviez à la fin, en tout cas, de Juste Debout. Et du coup, ouais, non, moi, j'ai halluciné sur ça. Et j'ai vu que tu étais vachement bien entouré. Hein.
Moi, j'ai une bonne équipe aussi. J'avais une bonne équipe de bénévoles, tout ça, mais et à la famille, tout ça. Mais toi, tu avais vraiment des gens derrière toi, tu vois. Voilà, c'était la famille, quoi. Et ça, c'est beau. C'est beau. C'est vraiment, c'était beau parce que les gens n'étaient pas là. Littéralement, d'habitude, je pourrais dire, oh oui, le monde est là pour l'intérêt, mais les gens n'étaient pas là pour l'intérêt. Les gens aimaient juste être là puis être impliqués, tu sais. Fait que ça, ouais, ça, je peux pas, je me sens très choyée par rapport à ça. Ouais, Non, non, vraiment. mais vraiment. Et il y a juste un truc que je voudrais ajouter, c'est que la famille, c'est bien qu'elle soit là le jour d'événement, etc., etc. Mais quand vous allez faire des choix purement business, suivez votre instinct. N'écoutez pas trop la famille, parce que la famille, elle va vous dire, ouais, mais si tu fais ça, c'est dangereux. Non, des fois, il faut savoir prendre des risques. Donc, si tu commences à la famille, elle est là pendant les événements. Et voilà, comme tu dis, elle te choye, elle t'entoure. Mais dans les décisions principales, et surtout de business, c'est vous. C'est vous et votre instinct. Sinon, votre famille, elle vous mettra toujours à l'abri. Elle veut pas que vous preniez des risques. Elle veut votre Mais bien, votre famille. non, Tu c'est vois, c'est normal. C'est normal. Donc, il faut savoir. faut savoir. Moi, ma mère, pour le business, je ne l'écoute pas. Je vais l'écouter quand elle va me dire non, mais tu devrais faire ça, 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 ça. Mais pour business, je ne vais pas l'écouter parce qu'elle va avoir peur pour moi. Ma femme, c'est pareil. Je vais l'écouter d'une oreille, mais bon, elle est plus mesurée que moi. Donc, tu vois, il faut écouter. Parce que, excuse-moi, on te laisse même pas poser des questions. Mais il y a la passion, puis il y a le risque. Qu'est-ce qui dit que ça va marcher? Tu sais pas, là. C'est vraiment un... Et à la passion du risque aussi. La passion du risque aussi, c'est ça. Tu dis, ben oui, je vais essayer, j'y vais. Puis après, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Fait que c'est ça. Mais parlons de famille parce que c'est vraiment un élément important. Mais quand on parle de famille, il y a la famille, le sang, mais aussi les amis proches qui deviennent notre famille. Donc, c'est, tu sais, le phénomène de street dance, il y a les crews qui se bâtissent pendant qu'on évolue. Mais à travers ces gens-là, les proches, on développe certains rituels qui nous permettent de rester connectés aux choses essentielles. Donc, ma question serait, c'est quels sont vos rituels à vous? Parce que ça a été vraiment tout un parcours de mettre tout ça en place. Puis, comme tu disais, Bruce, il y a des fois, l'école a moins de 200 000 euros. Mais là, tu dois donner une classe, donc tu te compartimentes. Donc, mais après, tu ressors du cours et tu dis, bon, ça va aller. Parce que le cours t'a donné vraiment cette énergie-là. Mais est-ce que vous avez des rituels qui vous permettent de rester ancré et continuer à nourrir cette passion pour la danse et pas faire un peu j'arrête tout, c'est la merde, je m'en fous, je vais aller travailler dans un bureau puis avoir un salaire fixe. Moi, je t'avoue qu'à chaque fois que je pense, que j'ai pensé, les fois que j'ai pensé à arrêter la danse pour aller faire quelque chose, c'était impossible. Jusqu'à aujourd'hui, c'est impossible dans ma tête. Je ne vois pas comment je vais aller travailler. Ça, c'est déjà numéro un, rituel numéro un. It's just not possible. Ça fait un. Mais je te dirais que les rituels personnels, je les ai développés vraiment après, plus tard, vraiment plus tard. C'est maintenant que j'ai des rituels. C'est maintenant que je fais de la méditation. C'est maintenant que je fais du yoga. C'est maintenant que je journal. C'est maintenant que, tu sais, je m'ouvre beaucoup plus aussi. Des fois, tu sais, ça reste tellement pris en dedans, là. Tu sais, t'es fâché ou il y a des choses qui se passent, puis t'es comme, ah! Puis c'est de trouver, d'avoir un bon, tu sais, d'avoir des conversations, d'aller voir les amis qui font pas de la danse, qui n'ont rien à voir, qui font d'autres choses, qui veulent que tu ailles faire du ski ou qui veulent que tu ailles faire, je sais pas, juste parler, marcher. Je trouve que ça, c'est des choses qui me gardent aussi super ancrée dans mes trucs. Faire des choix, dire non. Non, désolé, non. Comme dire non, c'est une des choses, je trouve, les plus extraordinaires. Si tu peux te donner ce cadeau-là, parce que pendant longtemps, c'était oui. Parce qu'il y a un instinct de survie aussi qui est là. C'est ça qui est dur. Moi, je trouve que c'est ça la balance. C'est l'espèce de survie de dire, si je ne dis pas oui, est-ce que, comment je vais faire pour vivre? Tu sais, il y a des moments que ça arrive, des choses comme ça. Puis c'est de se dire, d'arriver à une place où est-ce que tu es capable de dire, tu sais quoi, ça ne me nourrit pas, genre. Puis de faire vraiment toujours une analyse, comme moi, je fais toujours des réflexions sur où est-ce que je suis, qu'est-ce qui m'apporte, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me gruge de l'énergie, mais pas d'une façon positive, quelle énergie je dois enlever autour de moi. C'est ça mes rituels. C'est une espèce de, comme à chaque quelques temps, là, je regarde, puis je suis comme, OK, où est-ce que je suis rendue? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui aide? Qu'est-ce qui aide pas?
Fait que c'est ça que je te dirais. Ouais, par rapport au rituel, moi, justement, moi, j'en ai pas instauré. J'en ai pas instauré. Moi, j'ai vraiment été très dur avec moi-même parce que je suis très dur avec moi-même. J'ai été très dur avec mes équipes. J'ai été un chien avec mes équipes parce que pour moi, nous ne sommes pas importants. La danse, la mission, elle est importante. Pour moi, c'était ça à l'époque. C'était on va là-bas. On va là-bas. Que les gens m'aiment, que les gens m'aiment pas, que mes équipes suivent ou pas, moi, je vais là-bas. Parce que la danse, il faut l'amener là-bas. Ou le danseur, il faut l'amener là-bas. Et du coup, c'était pas forcément la bonne méthode. Forcément, parce que bon, moi, ça fait 18 ans. Hein, le judo, ça, il a 18 ans. Donc, j'étais plus jeune et j'ai été très dur, très dur, très dur, très dur, très dur. J'ai été très, très dur avec les gens. Et moi, le non, il sortait avant le oui tout le temps. Non. Non, non. Et après, ok, bon, vas-y. Peut-être. Ok, oui, vas-y. Parce que sinon, les gens te bouffent. Les gens, surtout, enfin, encore, j'aime la France, hein, d'accord? Mais en France, si tu te laisses trop faire, tu te fais bouffer complètement, tu vois. Et c'est peut-être comme ça ailleurs aussi, mais en tout cas, moi, je parle de ce que je connais. Si tu dis oui, mais t'es mort, t'es mort, t'es mort. Parce que sinon, tu fais rentrer tout le monde gratuit. Sinon, tu vas chercher l'hôtel à l'aéroport alors que tu dois faire ça. Mais les gens te bouffent. Donc, moi, c'était tout le temps non, 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 non. Bon, ok, toi, oui, peut-être. Et les gens disaient, hein, ah, mais Bruce, il est dur. Ah, Bruce, c'est un salaud. Bruce, oui, là, oui. Parce que au bout d'un moment, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Et après, les gens, quand ils voient le résultat des années après, ils disent, ah ouais, ok, je comprends. Ou alors, des gens qui n'entreprenaient pas et qui après ont fait des événements, on dit, ah ouais, je te comprends maintenant. Tu vois? Donc, c'est. Mais les rituels, moi, c'est famille, quoi. Mercredi, famille. Et quand je vais en vacances, tu vois, j'essaie de cultiver, même si je fais 15 heures le lundi, 15 heures le mardi, mercredi, c'est famille. Si tu t'imposes pas ça, c'est compliqué. Jeudi 15h, vendredi 15h, vendredi soir tu prends l'avion, tu vas dans des pays, lundi matin tu reviens, lundi matin. Mais mercredi famille, tu es obligé. Sinon c'est pas bon. Sinon c'est pas bon. Voilà. D'accord. Mes rituels, à peu près. Mais c'est vrai que, enfin, quelque part là j'ai le sourire et tout, mais ça relève de la pathologie, hein. Moi, ce que j'ai fait là, enfin, moi, je sais que ça arrive de la pathologie, je suis un peu fou, quoi. Tu vois, je suis un peu fou d'avoir fait tout ça, comme ça. Comme tu as dit tout à l'heure, nous, en fait, on est en fait les premiers organisateurs de battle de hip-hop ou d'événements de hip-hop, on est des cobayes, en fait. On est des cobayes, on s'est donné, on s'est esquinté la santé pour ça. Et sans faire le mec, tu vois, mais quand même, on s'est esquinté, on s'est esquinté. Ouais, Là, le corps, tu vois, tu vois. à debout, la chandelle au debout. Tu as tout à fait raison avec ça. Moi, je suis très dure sur moi-même déjà aussi, comme toi. Super, super exigeante envers moi. Le travail avant tout, je suis comme toujours comme. You have to put in the work. C'est comme ça que je vois les choses. Puis des fois, ça fait que j'ai des exigences quand même assez élevées parce que pour moi, c'est comme ça que je vois ça, tu sais. Fait que je pense que à quelque part, il y a ça. Puis c'est vrai que des fois, en faisant ça, on peut brimer, on peut, tu sais, les relations, des fois, vont s'effriter ou ça va devenir plus surface parce que toi, qu'est-ce que tu veux? C'est une force qui t'amène en avant, là, qui est, pour l'instant, insatiable, comme vraiment là, je peux pas l'expliquer, mais c'est ça. Ouais, et tu regrettes, hein, tu regrettes, et tu regrettes, mais c'est parce que des fois, tu n'as pas les mots pour expliquer ta passion et les gens ne te comprendront jamais comme toi, tu as ta vision en fait. Tu Non. veux aller là-bas, mais les gens ils se disent, mais pourquoi ils s'entêtent ou elles s'entêtent à aller là-bas? Moi, je veux aller là, mais je. Non, t'inquiète pas, fais-moi confiance, on va là-bas. Et les gens, des fois, ils comprennent pas et du coup, tu les délaisses un peu parce qu'ils ne se sentent pas entendus. Enfin, tu vois, c'est très dur. L'humain, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ouais, L'humain, c'est c'est ce qu'il y a de plus dur. ça qui est le plus d'énergie à 150%, c'est les relations humaines. Ça, là, c'est pour ça que je dis, il faut s'entourer des bonnes personnes, des bonnes énergies autour de toi. C'est tellement important parce que c'est ça qui bouffe tout, quoi, moi, je trouve. Comment vous vivez cette genre de solitude, justement, qui résulte de cette incompréhension des autres? Quand tu as un instinct, l'instinct, ton intuition, le sixième sens te dit, Bruce, là, tu vas te lever, tu vas faire ça.
pour JD, t'as pas le choix. Comment tu vis Spicy? Là, ok, là, tu es allé à la Tohu, tu doubles le volume, t'as pas le choix, mais il faut que tu... Qu'est-ce qui... Comment vous vivez justement ce vide de des fois parler à des gens, mais vous savez que la personne vous écoute, mais c'est comme si... C'est comme le professeur dans Charlie Brown. Moi, 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 moi. Mais il n'y a rien, tu vois. Comment vous vivez ça? It's lonely. It is lonely. Le loneliness est là for real. Surtout quand tu prends des décisions. Comme tu dis non. Comme tu disais, Bruce, puis là, tu prends une décision, puis tu dis, that's how I feel right now. C'est vrai que ça peut être tellement isolant. Tu peux être vraiment isolé. Puis je trouve que c'est difficile encore. Je trouve, jusqu'à aujourd'hui, je trouve ça difficile parce que c'est comme, justement, quand tu prends une direction, puis tu t'en vas dans cette direction-là, puis que c'est une envie, puis quelque chose que tu veux faire, puis là, tu sais que faut que tu fonces, puis qu'en fonçant, ça se peut que tu en laisses tomber, tu sais. Puis l'affaire, c'est de se rappeler qu'on n'est jamais seul pour de vrai. C'est ça qui est dur. C'est de dire, tu penses, tu te sens seul, mais tu n'es pas seul. Comme moi, si je n'aurais pas mon crew, comme je serais foutu, genre. Oublie ça, là. Les curls, les packs, les deals, tu sais, comme je serais finito. Je serais Non, finito en danse, je serais comme mort. ouais. Ouais. Non, et puis c'est important aussi de dire, bon, là, bon, nous, on est les figures du Bust a Move juste debout, mais derrière, il y a des équipes qui ont bossé dur. Il y a des partenaires dans chaque pays qui bossent dur. Tu vois, ça, il ne faut pas les oublier parce que c'est vrai que là, je parle Bruce, 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 mais je ne suis pas tout seul. On n'est jamais tout seul. C'est comme tu l'as dit, Spicy. Donc, je voudrais remercier tous ces gens-là qui sont là enfin, à l'année avec nous. Mais c'est vrai que tu te sens seul quand tu prends des décisions et que même tes proches ne te comprennent pas, en fait. Et qu'ils comprennent peut-être un peu plus tard ou qu'ils comprendront peut-être pas. Ou peut-être que tu te plantes aussi parce que tu fais des erreurs. Mais c'est très, très dur à vivre. C'est très, très dur. Franchement, moi, j'ai perdu des amis, quoi. J'ai perdu des amis. J'ai perdu des amis. Des gens avec qui j'ai commencé la danse. Tu danses avec eux dans la street, tu te trouves, tu évolues, la personne, elle ne te reconnaît pas, elle ne se reconnaît pas en toi. Et à un moment, ça. Mais, c'est comme James Brown, c'est comme comment Michael Jackson, c'est comme tous ces gens-là, quand tu regardes, et c'est pas, je ne m'excuse pas, hein, des fois j'ai été dur, je ne m'excuse pas, mais quand tu vois James Brown, c'était un travailleur, c'était un tyran. C'était un tyran. Quand tu regardes Michael Jackson, il souriait, mais quand tu fais un step mauvais, là, t'avais les gens ils avaient des amendes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu vois, pour moi, c'est le résultat qui compte. C'est pas ma personne. Tu vois? Et les gens, ils vont dire, ouais, là, il en fait trop. Non, c'est pour moi, on doit amener le truc à ce niveau-là. Coûte que coûte. C'est ça. Que les gens t'aiment, t'aiment pas. Tu dois amener le truc là. Next level. Et après, t'en payes les pots cassés. Émotionnellement, c'est très dur. C'est très dur. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ajouter à ce que tu dis, Bruce, une autre chose pour moi qui m'amène beaucoup de bien. Pourquoi je dis que je suis plus seule? C'est parce qu'il y a une autre génération en arrière de moi qui a décidé de bosser, genre. Que ce soit Ford, Movement avec Ford, que ce soit Andy, Yassin, que ce soit Axel, que ce soit Seven Star. Tu sais, il y en a beaucoup. Tout le monde bosse, mais il y a des gens qui ont cette dalle. Hey, Puis, Seven Star, il est toujours aussi costaud? hein? Seven Star, il est toujours aussi costaud? Toujours aussi costaud, toujours aussi My dans bro. lui, il est là, tu sais. Puis je pense que c'est Pierre-Michel aussi, tu sais, Afternoon, c'est une autre personne. C'est comme moi de voir ça m'inspire énormément. Ça me garde vraiment encore allumée parce que je vois la passion chez eux, je vois le travail qu'ils font. Puis je suis contente que c'est plus facile pour eux. C'est ça le but de faire ce travail-là. C'est pas pour que c'est juste moi qui est comme, hey! Non, ce travail-là t'ouvre des portes pour les gens après, que pour eux ce soit plus facile, c'est normal. Mais comme tu dis, on est des cobayes, mais ça fait partie de ça. C'est les générations, c'est comme ça. Il y a des générations qui, je dis pas qu'ils n'ont pas eu de la misère, mais les plus vieux que nous, c'était plus facile parce que c'était nouveau. Il y avait rien. Tu sais, si je pense aux gens qui ont commencé dans les années 70, tu sais, 80, j'ai l'impression que eux, c'est pas c'est plus facile, mais c'est juste que ils ont commencé quelque chose, ils étaient les premiers, les pionniers, tu vois. Tandis que après ça, tu as une génération, que après ça, tu as la génération, moi je trouve notre génération, Bruce, qui bosse, 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 bosse.
Puis là, on ouvre des portes pour d'autres. Donc, ouais, il y a une affaire de génération qui moi, je trouve que ça me nourrit énormément de voir ça. Vraiment. Après, je pense qu'il faut aussi, il faut rajouter, parce que moi, je suis un peu plus jeune, puis dans l'organisation, je suis venu un peu après vous, mais il y a aussi ce fait que pour les institutions, pour le grand public, comme moi, j'arrive avec Kiosk and Niche, les gens, ils ont déjà vu Boston Move, ils ont vu, déjà vu Jack Fresno, ils ont déjà vu Sobanging, donc c'est plus facile pour moi parce qu'ils disent, ah, on a déjà vu ça dans le passé. Mais vous, quand vous arrivez avec ces démarches-là, les gens, ils n'ont jamais vu ça. Donc, vous allez voir les mairies, les institutions, puis eux, c'est comme si vous parlez une autre langue. On va faire un rassemblement, il y a des gens, ils vont se mettre face à face, ils vont danser, puis ils ne peuvent pas comprendre toute la connotation artistique qu'il y a derrière ça. Donc, nous, on arrive juste après qu'ils aient déjà vu ça, donc ils sont un peu plus tolérants. Donc face à ça, donc vous avez créé un peu les fondations pour que d'autres personnes comme nous puissent mettre d'autres parties sur cette maison-là qui est la culture. Donc je pense qu'il faut vraiment. Mais alors juste une petite minute parce que je sais qu'on est un peu hors timing, mais je suis d'accord avec toi. Mais j'ai quand même eu l'occasion de bosser avec plein de monde. Mais vraiment dans ma vie, et Dieu merci, les institutions, tout ça. J'ai jamais voulu vraiment. J'ai jamais vraiment voulu. J'ai bossé avec l'Opéra de Paris, je me suis clashé avec eux. J'ai bossé avec l'Élysée, bof. J'ai bossé avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous comprendront jamais. Ouais, ça c'est sûr. Et ils essaieront toujours de s'approprier notre culture, de changer des noms, de changer des mouvances, de dire non, mais si tu fais ça comme ça, va là-bas, laisse-moi comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et je ne critique pas ceux qui bossent avec les institutions, d'accord? Mais moi, je ne sais pas, j'ai jamais réussi. J'ai été toujours très, très dur avec eux parce qu'à chaque fois, il y avait une teinte d'hypocrisie, une teinte de récupération que je n'ai jamais supportée. Et je te jure que je préfère avoir des dettes, aller travailler pour payer ces dettes plutôt que de pactiser avec le diable. Ah ouais. Et j'appelle ça, moi, le néocolonialisme culturel. C'est un mot fort, mais si tu veux, c'est on s'approprie le hip-hop, un terme tout con. La danse urbaine. Ah oh oui, mais ça, la danse urbaine, ça n'existe pas. Ça, c'est un terme créé en 1996 par Philippe Moura à la Villette en France et qui a dit on va appeler ça la danse urbaine. Ça s'appelle la street dance ou le hip-hop. Pourquoi tu veux encore changer les choses? Ouais. C'est comme quand on dit que l'Afrique s'appelle Afrique alors que ça s'appelle Kemet. C'est toujours pareil. Ils essayent de toujours récupérer les choses. Et du coup, bon, je suis pas là, tu vois, comme ça, mais quand même, tu te dis, il y a un problème. Et du coup, c'est très compliqué de travailler. Pour moi, en tout cas, ça a été toujours compliqué de travailler avec les institutions. Avec l'Opéra de Paris, ça s'est très mal passé avec eux parce qu'ils voulaient me faire changer des musiques. J'ai dit non, tu m'appelles, tu me fais confiance, tu m'appelles, tu appelles le Juste Debout, tu appelles Bruce et tu me dis, tu es directeur artistique et tu me dis, on va mettre cette musique. Je fais non. Mm-hmm. Ah non, mais si tu ne veux pas, c'est moi qui paye. Tu payes. Vas-y, je t'envoie mes avocats. Tu veux parler business? On va parler business. Je t'envoie mes avocats. Et là, ouais, mais non, calme-toi. Non, je ne me calme pas. Tu m'as appelé, tu dois me faire confiance. Mm-hmm. C'est toujours. Oui, mais j'aimerais bien mettre ça dedans. C'est comme si on était leur joujou, quoi. Tu vois, moi, je joue avec eux. Je vais voir ce que je peux leur faire faire. Non, tu ne fais pas ce que tu veux de moi, en fait. Mm-hmm. Voilà. C'est très, très dur. Mais tu as raison. Les institutions, c'est toujours un terrain glissant. Mais je te jure que nous, on s'acharne comme communauté. On est dans la politique avec eux, comme on fait vraiment valoir la communauté, puis la culture, puis comment qu'on approche. On est toujours là-dedans, tu vois. Mais c'est vrai que c'est fatigant pour faire tes affaires, puis en plus avoir à expliquer qu'est-ce qu'on fait, pourquoi qu'un ballot, c'est aussi important, si pas plus qu'une forme théâtre sur scène. Pourquoi? Parce que les danseurs qui travaillent avec, par exemple, avec moi dans ma compagnie, c'est des danseurs qui font des ballots puis qui train. Ils gardent leur niveau, ils gardent leur base. Leur niveau. Mais tu sais, je pense. Je donne l'argent pour ta pièce, mais je ne donne pas l'argent pour le ballot. C'est comme. Voilà, c'est ça. Mais moi, je pense que vous n'avez pas la même histoire et vous n'avez pas la même diplomatie que nous. Vous n'avez pas la même histoire et vous n'avez pas la même. Vous amenez les choses plus posément. Nous, en France, c'est quand même assez c'est comme ça. Tu connais. Mais vous avez beaucoup. Vous êtes tellement plus avancés que nous quand ça vient aller en scène, deux juste debout, vous êtes à des années-lumière là. Nous, on est encore là comme en train de
à peine qu'on nous voit, tu sais. Encore, ça commence là, tu sais, comme tu commences à voir, mais on est, ah, bah alors, on est très loin de vous, en tout cas. Ça, c'est bah, écoutez, soyez vigilants et restez-vous, et je vous fais confiance là-dessus. Je vous fais confiance. Vous avez une forte identité. J'adore la scène canadienne. Et c'est pas, je dis pas ça parce que vous êtes là, mais je l'ai déjà dit sur d'autres chats. J'adore le pop au Canada. J'adore la scène canadienne. Vraiment, vraiment, vraiment comme ça. Tu vois. Donc, il faut garder votre identité. Et même en hip-hop, vous avez des danseurs exceptionnels. Il faut garder ça. Avec l'évolution, les institutions, tout ça, il faut évoluer aussi. Mais gardez votre truc. Vous avez un truc super fort. Mais on a aussi des personnes importantes, tu sais, comme Dick et C, du monde qui supportent depuis combien de temps? Bien sûr. On serait même pas là. Natacha Jean-Bart, tu sais, il y en a Dazo. En tout cas, il y a du monde ici. Dans la scène de Break aussi, il y a plein de B-Boys aussi que si ce ne serait pas eux, s'ils n'étaient pas là, depuis tout ce temps-là, supportés, mais on ne serait pas là, tout simplement. Fait que, il y a une espèce de respect qu'on comprend entre nous que c'est comme. Ouais. Non, mais j'ai vu. Shout-out to Dick et C. On va passer aux questions. Yes. Coupe le flow un peu pour que tout le monde puisse avoir un peu ses réponses. Mais la première question, elle est de Christina Lejean qui coïncide beaucoup avec une question que je voulais poser. La question, c'est quels seraient vos conseils pour les futurs entrepreneurs, mais si on prend la continuité de la conférence, vraiment les futurs artistes qui veulent entreprendre des initiatives dans le cadre de la communauté du street dance. Comment les conseiller pour qu'ils continuent de rester connectés aux besoins de la scène et puis qu'ils apprennent à balancer aussi leur envie personnelle et les besoins de la communauté? Je suis comme Bruce? Non. Mais je pourrais commencer. Je pense que une chose qui est importante, c'est, tu sais, c'est vrai que pour nous, on parle toujours de bridge the gap. On parlait de ça, comme créer des ponts entre les générations. Je pense que c'est ça la clé déjà. C'est vraiment de créer des ponts parce que je trouve qu'avec ça, on est capable de parler à d'autres personnes, de mentorer, d'aider les gens, de donner des conseils. Il ne faut pas avoir peur de nous approcher, de nous poser des questions. Des fois, on veut être en contact avec la nouvelle génération, mais c'est dur parce qu'on est tellement pris dans nos trucs qu'on n'est pas toujours à l'affût ou en contact. Mais je dirais que déjà, une première chose, je trouve que c'est de pas avoir peur de poser des questions, d'aller voir, de nous écrire. Ça, c'est la première chose que je dirais, pour qu'on donne des conseils parce qu'on est là pour ça. La plupart des gens que je connais, qui sont comme des leaders dans la communauté, tu peux les écrire n'importe quand, ils sont tellement down, ils sont toujours down de répondre, d'essayer de conseiller, puis de créer une conversation, parce que des fois, moi, ça m'est très souvent arrivé que quelqu'un d'une autre génération me dit, mais là, quand vous faites ça, là, gna 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 gna, puis moi, je suis comme, oh shit, tu sais, ils ont comme raison, genre, que j'ai eu souvent, c'est pas juste nous qui viennent puis qui vous dit comment faire les choses, mais souvent, une génération va venir avec une autre façon de penser, une autre ouverture à d'autres choses. Fait que ça aussi nous permet, ça nous nourrit, ça aussi. Ça permet de garder la conversation. Puis, c'est ça, on parlait de, tu sais, les envies personnelles, les besoins de la communauté. Il ne faut pas s'oublier dedans. On s'oublie souvent. C'est ça qui arrive, souvent. C'est d'essayer de ne pas s'oublier, puis de comprendre qu'on est aussi souvent... Moi, je trouve, oui, il y a le danseur, mais il y a l'artiste aussi. Puis l'artiste, il est multidimensionnel. L'artiste, il veut tout faire. Il veut danser, mais il y a plein d'affaires. Il veut dessiner. Il veut... Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas juste la danse, ça prend beaucoup de place parce qu'on sait, on comprend qu'on n'a pas le choix, mais on veut faire d'autres choses aussi. On a le goût. Continuer à apprendre aussi. Continuer à prendre des cours, à s'informer. Moi, je trouve que c'est des choses comme ça qui peut aider, définitivement. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord. Tu as pratiquement tout dit. J'allais dire, à la fin, tu as dit ce que je voulais dire. En fait, se faire plaisir. Mm-hmm. Parce que là, en fait, la question, comme je l'ai dit, il y a une peur d'être déconnecté d'une communauté. Mais plus vous aurez peur, plus vous allez vous déconnecter des gens et de la communauté. Plus vous allez être en accord avec vous-même, plus vous allez être dans le plaisir personnel. C'est très égoïste hein, aussi en même temps. Mais c'est pour mieux partager après, d'accord? Il faut se faire plaisir.
Si tu ne te fais pas plaisir, tu penses aux autres, ouais, il faut que je fasse ça pour rester connecté à A. Mais dans ces cas-là, tu n'es plus un leader. Tu es un suiveur. Il n'y a pas de problème. Dans la vie, il faut des leaders, des suiveurs. On n'est pas tous leaders. Ça, il faut l'accepter aussi. Mais si vous organisez des événements, si vous êtes artiste et si vous voulez l'idée, il faut vous faire plaisir à vous. Quand j'ai créé l'expérimental, j'ai été critiqué. Quand j'ai invité des juges japonais, le monde entier m'a critiqué. 2004, le monde entier m'a critiqué. Quand je dis monde entier, des emails, ah mais pourquoi t'invites des japonais, nanani, nanana. Je me suis fait plaisir parce qu'avant tout, juste debout, je vais vous dire le secret de ce soir, je l'ai fait pour moi. J'ai fait parce que moi, je rêvais de voir Mr. Wiggles, je rêvais de voir Yoshie, je rêvais de voir des danseurs du monde entier. J'ai fait un truc hyper égoïste en fait, mais que je partageais avec tout le monde, tu vois. Mais d'un sentiment, tu vois, j'ai des frissons parce que ça m'a permis de faire des choses incroyables en pensant à mon plaisir personnel, mais que je voulais partager avec les autres. Je sais pas si je suis clair, mais Oui, en gros, en gros, en gros, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir, c'est le plus important. je pense que tu as dit quelque chose qui est tellement important, puis ça revient encore aux générations. Faut jamais écouter. C'est sûr, moi, si j'arrive à un certain âge, des fois, je suis pas down. Hein. Quelqu'un vient avec une nouvelle idée, je suis comme, c'est quoi ça? Nya, nya, nya. Mais faut pas nous écouter, genre. You have Exact. to do, comme tu dis, il faut se faire plaisir. If you have to do what you believe is right. Puis des fois, les gens ne vont pas comprendre au début. Ils vont pas, ou ils ne vont pas être down, ou ils ne vont pas comprendre qu'est-ce que tu vas, qu'est-ce que, pourquoi, qu'est-ce que tu fais. Hein? Mais honnêtement, il faut vraiment suivre ton instinct intérieur. Si tu as quelque chose qui dit de faire quelque chose, vas-y. Il ne faut pas écouter les autres. Parce que ça, c'est Ouais. la première chose. C'est la première chose qui va t'arrêter. Quelqu'un va dire, ben là, ça n'a pas rapport. Franchement, C'est c'est pas comme ça. ça se passe. Fini, dead. Exactement, exactement. Dead. Et Ben oui. Si tu s'arrête. t'es si tu t'es déconcerté par ça, t'es foutu. Regarde Kool Herc. Regarde même Africa Bambaataa, comment il est habillé. Comment il est habillé? Si s'était dit, ouais, mais là, l'autre, il a dit, mais pourquoi tu mets une plume sur ta tête? Si s'était dit ça, il n'aurait jamais créé tout cet univers. Tu vois, donc, voilà. Osez, osez, osez vous faire plaisir. Il faut oser. Aussi se rappeler que la plupart des gens qui ont créé toute cette culture de la danse, cette street dance, ils avaient 14 ans. Ils s'en battaient un peu les couilles. Ils étaient comme, moi, je veux danser, je m'en fous, je danse. Puis pour la plupart d'entre nous, quand on a commencé, on était super jeunes. Donc, on ne pensait pas à tout ça. Qu'est-ce que les gens vont penser? Oh non, j'ai vu une vidéo, j'aime bien ce que le gars il fait, je vais danser comme lui. J'ai vu un événement, j'ai envie de faire ça, je le fais. Donc, de garder cette énergie un peu enfantine. Puis les nouveaux dance moves qui sortent, c'est toujours des jeunes de 14, 15, 16 ans qui sont là en groupe puis qui s'amusent. Donc, je pense que c'est ça, c'est ce que tu as dit, se faire plaisir. Puis Et de... ça fait penser aussi à quand je pense à Joe, tu sais, c'est moins de ça, le dit toujours, Andy, il dit toujours ça. Il dit comme lui, il allait dans les battles, puis les trucs que lui, ça lui faisait plaisir, de faire de l'animation, de faire du robot, tout ça. Le monde et les juges n'étaient pas dingues, genre. Ils étaient comme, oh non, qu'est-ce que tu fais avec ton tonne? Fait que lui, il s'est dit, il va créer un événement pour faire place à tous ces gens-là qui ne passent pas le premier round parce qu'ils n'ont pas popé assez fort. Comme ils ont pas fait les moves comme le Bougalou, comme tu sais, fait que là il a créé Jolt. Fait que c'est ça que je veux dire, c'est des idées qui après qui deviennent extraordinaires. Tu sais, qu'est-ce que toi tu fais à Saint-Michel? Tu sais, tu crées des liens avec des jeunes, avec du monde qui aurait jamais accès au street dance. Fait que tu vois, c'est des choses il faut pas écouter pour de vrai, vraiment Ouais. comme, écouter personne, même pas moi ni comme depuis que t'es C'est non, t'es ça. pas ça veut dire oui. Tu sais, qu'est-ce que j'ai appris aussi? Non veut dire oui, souvent. Ça reste là, puis ça ne veut pas partir. Le non veut dire vas-y, c'est le go. Mais tu sais, pour Jot, une seconde, c'est que Jot, quand j'y suis allé là, il y a 2 ans, enfin 1 an, 2 ans, 2 ans maintenant, j'ai trouvé ça extraordinaire, justement. Parce que c'était une manière de réinventer pop. Moi, ce que je recherchais depuis des années, même avec le Juste Debout, le Joe me l'a donné sur un plateau. Parce que Juste Debout, après, au bout d'un moment, ça rentrait dans un format. Les gens dansaient d'une manière, les habits, les juges. Tu vois, je fais, mais merde. Et je vais au Canada et je vois Joe et je fais, mais c'est ça que je veux faire. C'est le Smurf. Moi, ce que j'appelle le Smurf, c'est tous ces styles-là mélangés qui défoncent. Et j'ai dit, mais c'est ça, c'est chambé. Bon, le jet lag m'a défoncé, mais honnêtement, c'est magnifique, c'est magnifique. Et faut pas écouter, il Faut faut pas écouter, foncer. faut vraiment T'as pas écouter. raison, t'as raison. Parce que la peur, elle est là pour nous aussi, tu sais.
Nous aussi, on a peur aussi quand on fait quelque chose. On est comme, qu'est-ce que les gens vont penser? Moi, des fois, Toujours. j'ai des juges, je me souviens des juges. Bon, Bruce, bon, tu sais déjà, on s'est tellement parlé souvent de ça. Tes juges, invite tes juges là, le juge ne fait rien de bon. On ne va pas donner les noms ce soir. Ça, c'est la seule chose. Tous les jugements, c'est comme. Comme ça. Il n'a pas regardé le ballon, il regardait son cellulaire. Oh! Comme. Politique, les ci, les ça. Mais il y a quelque chose, des fois, tu disais, mais je veux amener ce juge-là. Puis là, est-ce qu'il revient? Ça, c'est une autre histoire. Peut-être qu'il ne va jamais revenir. Mais c'est ça, il ne faut pas que tu aies peur, finalement. Le plus que possible. Si je passe, j'aimerais passer à la prochaine question de candidat anonyme. C'est devrions-nous continuer à nous battre auprès des institutions pour recevoir plus de financement afin de faire vivre notre art ou juste continuer à hustle parce que c'est peine perdue? Et si votre réponse est oui, comment approcher justement ce combat? Bon. Wow. On l'a dit en même temps. Bon. Aller. Vas-y, vas-y, vas-y. Honneur aux femmes. Honneur aux dames. Honneur aux dames. Vas-y, vas-y. Moi, bon, tu sais, on a deux, moi, puis je pense que toi, tu as une opinion, puis moi, j'ai une opinion, Bruce. Moi, je sens que oui, parce que c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse notre place. Je veux dire qu'il faut qu'on continue à faire nos trucs. Il faut pas se plier aux institutions par rapport à notre art. Faut qu'on se parle, il faut qu'on s'organise comme communauté. Il faut qu'on ne laisse pas passer des trucs quand des choses ne sont pas bonnes, même, il faut dire. Mais je pense que, moi, je crois que l'argent est pour tout le monde. Quand le gouvernement donne l'argent au Conseil des arts, c'est pour tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a une majorité de gens qui ne font pas notre forme. Fait que là, après, quand c'est un jury de pairs qui juge ton projet, mais là, si, il y en a trois qui font d'autres danses, puis ils ne connaissent pas le street dance, mais c'est sûr que ça ne va pas leur parler, peut-être. Puis ça fait un jury de pairs, mais il faut continuer à militer parce que cet argent-là, le gouvernement, il ne dit pas donne l'argent à la danse contemporaine. Ce n'est pas ça la mission du tout. C'est juste qu'il y a une majorité de gens qui tiennent cet argent-là. Puis si nous, on n'est pas là pour réclamer l'argent qui, pour moi, je trouve que on. Qui nous doit, qui est à nous aussi, mais je pense que c'est là que c'est difficile avec les institutions. Puis c'est de pas, comme on dit, comme tu disais, Bruce, pas commencer à dire, ah oh oui, danse urbaine, moi je me suis battue longtemps pour le danse urbaine, là, pour ceux qui savent, là, ce terme-là. Ah, je savais pas, je savais pas. Oui, C'est cool, c'est à cool. Montréal, c'était ça, là, c'était comme, j'en ai parlé beaucoup, puis au début, on pliait un peu parce qu'on était comme, ah, oh, OK, mais ça doit être ça, danse urbaine. Mais à un moment donné, on était comme, mais non, c'est pas ça. Tu sais, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on appelle ça, tu sais. Fait que je pense que c'est vrai que c'est très militant, ça prend beaucoup d'énergie. Des fois, ça vaut pas la peine, mais j'ai l'impression qu'à Montréal, ils commencent à avoir une certaine ouverture. Est-ce que c'est temporaire? Je sais pas. Mais moi, je crois qu'il faut continuer à. Ok. Moi, selon moi, non, je ne suis pas contre ton avis. Je pense que le combat, tout combat est beau. Tout combat doit être mené. La seule chose, c'est de se dire, il y a des choses à ne pas faire pour avoir du fric, des fois. Et c'est là où ils arrivent à nous pervertir, des fois. C'est-à-dire que T'as raison. souvent, ils disent, si tu fais ça, tu auras ça. Tu vois, par exemple, un exemple tout bête. Moi, il y a France 4, une chaîne de télé française, qui m'avait donné, ils voulaient me donner 40 000 euros. Pour mettre une femme à côté de moi qui n'a rien à voir avec au hip-hop pour présenter le Juste Debout avec moi. Et j'avais 40 000 euros plus la TD qui fumait tout ça. Et il disait, mais il faut enlever Nasty. J'ai dit, mais jamais. Jamais. Je dis, mais barrez-vous. J'ai dit, bah, cassez-vous, tu vois. Donc, si tu veux, si vous allez chercher l'argent, allez chercher. Parce que moi, je suis un businessman. Hein. Attention, hein. S'il y a l'argent, allez chercher. Par contre, toutes les marques avec qui j'ai travaillé, moi, j'ai jamais plié. C'est-à-dire que j'ai dit, tu vois, comme l'Opéra Paris, ils voulaient me faire plier, j'ai dit non. Red Bull, je travaille avec eux, ils m'ont pris tel que je suis, avec mon caractère, avec moi. Ils ne me bougeront pas. À partir du moment où vous arrivez à rester vous-même, vous prenez l'argent, mais vous arrivez à rester vous-même, et dans votre caractère, et dans votre art, mais vous avez gagné. Parce que c'est vrai que c'est notre argent. Et en plus, il y a un autre truc, moi j'ai un peu démissionné des institutions parce qu'ils me fatiguent. Mais par contre, démissionner, c'est ce qu'ils veulent qu'on fasse, en fait. Oui, c'est C'est-à-dire ça. qu'ils veulent qu'on laisse la place pour les autres qui ont la patience de faire des dossiers, mais qui sont moins bons que vous en danse. Hein. Ils sont moins bons que vous tous. Hein. Ils ne dansent pas. Hein.
mais ils font des dossiers tellement bien faits qu'ils ont les thunes, ils ont l'argent de votre danse. Donc, du coup, tu dis, bon, heureusement qu'il y a des résistants comme Spice et comme d'autres qui vont chercher l'argent. Par contre, vigilance sur quand on te donne un euro, qu'est-ce qu'on veut en échange. C'est moi, ça. Quand je travaille avec une marque, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec les marques. Parce que la marque, elle te dit, moi, je te donne 10, 15, 20, 100, je m'en fous. Mais par contre, je veux ça, je veux que tu mettes ça, je veux que tu mettes ça. Ok, deal. Deal, ok, c'est cool. Les institutions, c'est toujours flou. C'est toujours, on te donne ça, mais derrière, oui, mais tu penses que… Non, c'est pas clair. C'est souvent pas clair, en fait. C'est ça qui me dérange un peu. Mais chaque combat est beau, quoi. Donc, battez-vous. Et moi, je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est-à-dire, je préfère aller travailler avec des marques. Je préfère hustle, comme on dit, plutôt que d'avoir une institution, ça, c'est personnel, qui met son logo sur mon événement et qui dit… voilà, grâce à nous, on aide les jeunes. Voilà. Ça m'a toujours… C'est personnel. C'est personnel. Mais tu as raison, parce qu'il faut tenir son bout. Il faut tenir son bout. J'ai vu Mandita quand il a fait aussi encore Jot, c'est avec Danse Danse, mais la façon qu'il a tenu son bout, de comment il voulait que ça se passe, il était derrière tout. Derrière les caméras, il a fait toutes les décisions cette soirée-là, tu vois. Fait que pour moi, je trouve qu'il y a moyen de le faire, mais c'est vrai, tu as raison. Faut tout lire. Moi, mes contrats, là, je les lis jusqu'à la dernière ligne, la petite ligne en dessous que tu ne vois pas, là. Je lis tout. Parce que, justement, il y a tout, t'as raison, il y a toutes sortes de choses. Puis souvent, moi aussi, je suis un peu comme toi. Quand je trouve que c'est chelou, que ça ne va pas, ça va dans une direction, je suis comme... Ça, tu vois. Parce qu'au début, ils sont toujours enthousiastes. Toujours, oui, oui, on t'aide, on te donne. Oui, il n'y a pas de problème. Puis après, avec le temps, c'est comme... commence à voir les choses. Vous approcheriez justement cette recherche de subvention ou cette collaboration avec ces institutions financières qui sont mises en place justement pour donner de l'argent à l'art, pour que l'art persiste? Je pense que là, c'est là l'idée de l'entrepreneuriat. C'est ça que je veux expliquer. Que la différence pour moi, c'est que être entrepreneur dans l'art, qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est que il faut que tu prennes en charge ta carrière en art. Tu ne peux pas, justement, comme dit Bruce, tu ne peux pas aller voir une institution ou quelque part pour gérer ta carrière. Il faut que tu la gères. Ça demande un certain hustle. Ça demande du travail. Ça demande de réseauter. Ça demande de faire des trucs. Surtout dans la longévité. Si tu veux faire ça pendant un an, tu veux t'essayer, tu as le droit. Tu as le droit d'essayer de dire, tu sais quoi, moi, cette année, je vis de la danse là, puis je me lance, tu sais. Puis après, tu vas voir au bout d'un an si c'est pour toi, si c'est pas pour toi. Mais je dirais que dès que tu dis oui puis que tu veux, ben là, il y a un bon hustle qui vient avec ça. C'est moi, quand j'ai commencé l'organisme Ben Flow, là, la compagnie, j'étais sur le cul par rapport à l'administration. C'est presque la moitié du travail. En tout cas, pour moi, c'est vraiment presque... Je suis encore surpris, je vous en parle, je suis encore surpris que c'est quasiment la moitié. Puis des fois, je suis plus dans les papiers puis dans les emails puis que je suis actually doing what I want to do. T'sais? Fait que ça vient avec un coût. On parlait des coûts, là. Ça vient avec un coût. Après, c'est de lesser evil. Il faut que tu choisis... Moi, c'est ça que je veux faire dans ma vie. So, c'est sûr que pour moi, présentement, c'est toujours... si c'est ça que ça prend, j'essaie de trouver des moyens, des ressources, mais ouais. Du coup, ouais. Excuse-moi, Ford, la question, c'était quoi? Et comment entreprendre cette démarche-là avec les institutions dans la mesure où on décide de faire ça, d'aller tirer des fonds ou chercher des subventions, faire des demandes ou travailler avec les organismes? Comment procéder? Bah, en fait, je vais être un très mauvais conseiller pour ça parce que j'ai eu la chance de jamais trop chercher. C'est un peu prétentieux, mais c'est vrai. C'est tout le temps les marques qui sont venues vers moi ou les institutions. L'Opéra de Paris sont venus vers moi, Disney sont venus vers moi, Red Bull. Enfin, plein de marques sont venues vers Juste Debout. Enfin, quand je dis vers moi, vers Juste Debout. Donc, j'ai pas eu trop à chercher. Bien sûr, après, on a fait des dossiers, etc., etc. Mais j'ai eu cette chance-là. Du coup... je ne pourrais pas être un bon conseil, mais la première chose, c'est voilà, constitution d'un dossier, être sérieux, ponctualité,
belle présentation. Tu vois, c'est des trucs basiques, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de danseurs aussi qui pensent que parce que c'est des artistes, parce que c'est des bons danseurs, ça va marcher. Non. Derrière, quand tu rentres dans ces cadres-là, il faut avoir quand même une rigueur administrative et surtout une image. Voilà, c'est un travail. Tout ce que tu dis, c'est tellement vrai. Il y a tout ça, ce côté-là aussi de bien pouvoir communiquer tes besoins, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi tes projets. Je pense aussi qu'il ne faut pas s'attarder seulement aux institutions, parce que même les institutions, même les conseils veulent voir que tu fais du démarchage. Fait qu'il faut que tu penses plus grand que je vais aller demander une bourse, puis je vais espérer qu'ils vont me donner de l'argent. Où je vais aller faire ça. Il faut vraiment, tu dois aller voir, je sais pas moi, des centres communautaires, aller voir, je sais pas moi, aller voir d'autres personnes qui sont fanatiques de la danse, mais qui sont pas, tu as dit les marques par exemple, ou tu sais, des gens qui peuvent avoir des business, mais qui aiment la danse, qui aiment voir, ils sont venus à ton événement, puis ils ont capoté, mais peut-être tu vas aller lui offrir un, tu sais, parler avec cette personne-là, voir comment que cette personne-là peut t'aider à faire qu'est-ce que tu fais. Fait que je pense qu'il faut être vraiment ouvert aux possibilités quand ça vient à aller chercher des ressources financières. Puis Ouais. Et surtout, ne doutez pas de votre produit. Parce que quand on parle face à ces gens, je suis désolé, les gens qui vont dire, ils parlent de produit. Mais face à des gens, face à des marques, faut adopter son langage. C'est-à-dire que si tu vas chercher des sous, tu vas vendre une prestation, tu vas vendre un produit pour eux. Et ça, faut le rentrer en tête. L'artiste, le cœur, sur scène, pas de problème. Mais quand tu vends tout un événement, ça devient un produit, ça devient un business. Donc, il faut rentrer aussi dans le discours. Que le comment dire la personne qui est en face veut entendre aussi. Voilà, sans se travestir hein, mais juste dire voilà le produit voilà c'est ça et voilà. Donc Il faut y croire, il faut y faut y croire. croire, croyez en vous. Sinon c'est si tu y vas en bégayant, c'est mort. Faut que voilà le mec même s'il te fait douter tu mais non, t'as pas compris. C'est toi qui n'as pas compris, c'est tu as besoin de moi. C'est eux qui ont besoin de nous, faut pas oublier hein. C'est eux qui ont besoin de vous. C'est Il jamais le contraire. C'est jamais le contraire. y a une affaire de timing aussi. Je suis désolée, mais des fois, tu as un projet dans ta tête qui est extraordinaire, qui est énorme. Que tu sais que tu veux faire, ton cœur est comme, mais le timing est juste pas bon, genre. Le timing est juste pas bon. Tout ce qu'est-ce que tu fais, des fois, il faut que tu bûches, puis ça va arriver, mais des fois, le timing est pas bon. Puis des fois, c'est ça, c'est d'être à l'affût, des fois, d'écouter, de sortir de son cercle aussi. Des fois, on est trop dans nos petits cercles, on est dans notre confort, sortir de là, puis. Des fois, il y a des timings qui se passent là. Tu rencontres quelqu'un, tu parles. Ah oh, oui, l'autre personne que tu connaissais cette personne-là. Puis là, ça fait boule de neige. Puis là, bang. Il y a des timings aussi dans le temps, COVID. Ça aussi, ça amène d'autres façons. Tu sais, c'est bad trip. La plupart du temps, c'est bad trip. Hein? On n'a pas de Noël ici en passant. Ouais, tu m'as Noël, dit. C'est cancel. chaud. Ouais, c'est chaud. C'est pas bon. Mais ouais. Mais ce que tu dis pour le timing, c'est marrant parce que je le dis souvent aussi. Une des clés du succès aussi, c'est le timing. Il faut partir au bon moment, s'arrêter au bon moment, observer, freiner, tu reprends. C'est super. C'est comme en danse. C'est comme en danse. Timing. Tu as hyper raison. Je dis souvent ça en plus. Cool. Pour vous avant qu'on clôt le débat. La question est très souvent, les événements s'adressent principalement aux danseurs et aux danseuses, que ce soit à travers la création ou les événements. Comment pouvons-nous rendre notre art plus accessible au grand public sans vulgariser notre art face aux incompréhensions slash Mais institutions? si votre produit il est fort, si votre produit est fort, ils n'auront pas de choix. Quand ton truc est fort et quand tu doutes pas, ils n'ont pas de choix. Regarde le hip-hop. Le hip-hop, il y a 40 ans, ils disaient, ouais, mais c'est une mode, ça va passer, nanana. Maintenant, tous les petits, dans tout le monde entier, ils écoutent du hip-hop. Quand le produit est fort, quand ça vient de là, et que c'est fait comme ça, ils n'ont pas le choix. Regarde ce que vous avez là-bas, là. Enfin bon, maintenant c'est un peu compliqué, mais le cirque du soleil. Cirque du soleil, mais moi, quand tu me parlais de cirque à l'époque, je fais, mais c'est quoi du cirque? Mais je ne vais pas aller au cirque. Je vais au cirque du soleil, je fais, oh, c'est ça. Je fais, mais c'est mortel. Tu vois? Et tu renommes les choses et tu redonnes une énergie aux choses. Quand ton produit est fort, tout le monde, tu peux attirer tout le monde. Quand tu es fort, tu es fort. Regarde, comment il s'appelle, celui qui est A$AP Rocky. Qui est chez Chanel ou je sais plus quoi là. Il est fort. Le mec il est fort. Chanel va chercher.
Tu vois ce que je veux dire? C'est fou. sais, moi, je dirais, tu sais, comment que tu te sens par rapport aux institutions? Moi, je me sens comme ça avec la télévision. Je suis pas capable. Des fois, je le fais parce que je sais que ça va aider le projet. Mais honnêtement, moi, c'est là que je trouve qu'il y a zéro écoute, zéro intérêt dans qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, oui, des fois, moi, je crois beaucoup à parler. Si on me demande une interview, je vais le faire parce que je trouve que peut-être qu'il y a du monde qui vont résonner avec qu'est-ce que je fais. Mais la manipulation, souvent, moi, ça, pour de vrai, ça me... Parce que justement, il dit jamais la vérité aux gens, finalement, à la maison. À moins que ça sorte de ta bouche, puis les questions sont posées back to back, puis tu réponds. Mais après ça, dans les émissions, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je pense que c'est une belle porte d'opportunité pour que les gens te connaissent, puis justement, le grand public te connaît. Mais moi, j'ai de la misère. Vraiment de la misère avec ça. Je comprends, je comprends. La télé, c'est oh, c'est les mêmes hein, pour moi. Hein. La télé, moi j'en ai fait, j'ai beaucoup fait de télé, moi. J'ai beaucoup, beaucoup fait de télé derrière les artistes, derrière les trucs. J'ai arrêté, j'ai fait non. Chaque fois, je m'embrouillais. Mais bon, voilà. Des fois, il faut savoir aussi aller vers les choses, comprendre comment ça se passe pour dire j'aime pas et passer à autre chose ou pas. Voilà. Voilà. C'est ça. Bon. Ah, mais j'aimerais, je vous aurais gardé beaucoup plus longtemps, mais le temps oblige, il est quand même assez tard. Pour toi, Bruce, notamment, à 2 heures. Mes yeux, ils sont de plus en plus petits. J'aimerais faire quelques remerciements. Déjà, tout d'abord, ben, merci Spicy, merci Bruce pour votre temps. Merci de vous ouvrir à nous, à tous ceux qui vont voir la vidéo après coup, mais ceux qui sont avec nous, merci à tout le monde d'être là. J'aimerais remercier Axel de Saint-Louis qui était censé être avec nous aujourd'hui, mais il a eu un engagement, un double engagement qui lui a empêché d'être là. Puis grâce à elle, ça a été un peu le fondement des questions que j'ai posées aujourd'hui. Donc, merci à Axel. J'aimerais remercier Ashley qui est en charge de nos communications, donc elle qui a fait les posts, nous a mis en évidence, qui a mis tous les panélistes en évidence. Et Clémence qui a fait toute notre nouvelle identité visuelle qui fait en sorte que tout le monde a ce look un peu plus fly qu'on avait avant. Cette conférence ferme full circle, donc ça ferme la boucle un peu du Festival Keras. Puis en même temps, ça clôture parce qu'on vient de toucher nos 5 ans pour Forward Movement. Donc, c'est parfait de vous avoir avec nous pour notre 5e anniversaire. Donc, merci à tout le monde. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez des derniers mots à dire, Spicy Bruce, avant que je vous laisse partir. Ben moi, je voudrais dire que merci pour cette conversation-là parce que nous, en tout cas, moi, j'ai déjà eu quelques fois avec toi, Ford, mais moi puis Bruce, on en a parlé comme... Quand Bruce est arrivé à Montréal, premièrement, quand j'étais à Jeux debout en 2007, mon brain a juste comme... C'est incroyable. C'est comme la même façon quand un jeune arrive et dit « Oh, t'as pas été à BAM? » Ah non, Juste debout, c'est comme fois 1000. T'as pas été à Juste debout, c'est comme... Laisse faire... C'est incroyable le feeling que tu vis quand tu vas là-bas. Mais je dirais que oui, c'est des conversations qu'on a eues tellement souvent. Puis quand il est venu à Montréal, j'ai jamais... C'était le meilleur juge. Et je dis pas ça, Bruce, parce que t'es mon partenaire, là. Ah ouais, c'est cool. Pas ça. C'était le meilleur juge que j'ai jamais eu de ma vie. Parce que j'ai pas eu... J'ai zéro stress pour rien, genre. Parce qu'il comprenait tellement, tu sais, la position que c'était. Fait que pour de vrai, je te remercie, Bruce. Non, merci à toi. Tu Toi, rigoles. pour la vie. So. Non, non, merci à vous. Ouais, moi, vous savez, bon, déjà, moi, tu sais que je t'adore, Spicy, j'adore ton équipe. La scène canadienne, vraiment, je vous adore. Et j'ai passé des moments incroyables à Montréal quand je suis venu bam, avec ma famille, tout ça. C'était incroyable. C'est des souvenirs. Voilà. Mais au-delà de ça, pour le mot de la fin, en tout cas, merci à toi pour tes compliments et pour tout ce que tu as accompli. Et j'espère que ça va continuer, malgré le Covid, tout ça. J'espère qu'on va tous continuer. J'aimerais vous remercier de m'avoir invité et j'aimerais aussi dire que croyez en vous. Juste croyez en vous, croyez en vous. Il y a des moments où vous serez pas bon, il y a des moments où vous serez plus bactère, il y a des moments où c'est compliqué, mais croyez en vous, croyez en vous. C'est juste ce que je voulais dire. Et un grand merci à vous, en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est important. Merci, C'est Bruce. important, c'est important. T'as tout dit. C'est vraiment ça. Yes. Love you guys.
Love you, everybody. Merci. Merci vraiment. Merci, Ford. Merci, Anaïs. Et Oi, Anaïs. Merci, Ford. Merci tout le monde. Ouais, ça fait plaisir. Puis, on espère qu'éventuellement, on pourra avoir ce genre de conversation en personne une fois que le COVID sera passé. Puis, un peu comme tu sais, pas ici, c'était comme ça. Mais même Bruce, je me rappelle, on était dans un café, il y avait Monster qui était là, on discutait, tu me parlais de Bassou, de Juste Debout, ça fait un moment, soit c'est pas ici les conversations qu'on a eues. Donc, pour tout le monde, n'hésitez pas, même s'ils sont occupés, envoyez-leur des questions, renseignez-vous sur la culture, renseignez-vous sur tout ce qu'il y a derrière le hype, parce qu'il y a énormément de choses importantes qui se passent derrière ça. Puis c'est ça qui fonde. Le hype de toute cette culture dans laquelle on participe. Donc, merci à tout le monde et encore une fois, on se voit à bientôt. Merci, merci. Ciao. Bisous, bisous. Ciao, ciao, ciao. Bye. Salut, salut.